أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وزين قلوبنا بالحلم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام صام، c'est déjeuner, sama, c'est-à-dire l'uratan ou l'imsak, c'est-à-dire c'est le fait de s'abstenir. S'abstenir de quoi? S'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports, donc de la prière de l'fajr, jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Donc à partir de la prière de Sobh, qui est le Fajr, jusqu'au coucher du soleil, donc on ne mange pas, on ne boit pas, et il n'y a pas de rapport, et qu'on va voir, même les préliminaires, etc., tout ça, c'est interdit pendant le mois de Ramadan. Tout ça, on va le détailler, Inch'Allah. Alors, il y a deux genres de jeûne, c'est-à-dire en jeûne, il y a le jeûne obligatoire, il y a le jeûne surrogatoire. Alors le jeûne obligatoire, tel que jeûner Ramadan. Jeûner Ramadan, c'est obligatoire. Jeûner, ce qu'on appelle siyam nadr, nadr, c'est-à-dire il promet, quelqu'un qui promet à Allah de jeûner. D'accord, ça devient une obligation. Et Allah, si je réussis dans mon examen, je jeûnerai deux jours. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une promesse, ça devient une obligation. Ça s'appelle un nadr. Inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Le mot nadr, c'est-à-dire je promets à Allah, je donne une promesse. Et Allah, si ceci, cela, si ce problème sera dissipé, etc., je vais jeûner une année. Je vais jeûner 10 ans. Ça devient une obligation. C'est-à-dire, tu donnes une promesse à Allah, si la chose, elle est réalisée. Ensuite, on a le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne, alors, vous me corrigez, le kafara, on dit expiation. Expiation, comme ça. Voilà, expiation. Kafara, quelqu'un qui a juré avec un mensonge, il doit jeûner. On détaillera tout ça. Ou bien quelqu'un qui a mangé volontairement pendant le mois de Ramadan. Donc dans l'école malikite, quelqu'un qui on va détailler tout ça volontairement, c'est-à-dire sans, d'accord. Dans les autres écoles. Chez les Hanbalites, c'est pas la même chose. Chez les Hanbalites, s'il a mangé volontairement, il a commis un péché. Il a commis un péché. Mais juste, il rattrape les jours. Dans les autres écoles, c'est le fait d'avoir des rapports qui nécessitent une expiation. Du mois, c'est. On va voir l'expiation. Le kfara, c'est combien? D'accord? Soit on doit donner à manger à 60 pauvres. D'accord? Plus on rattrape le jour. Donc 60 pauvres. D'accord? C'est-à-dire, quand on dit donner à manger, c'est-à-dire déjeuner et dîner. D'accord? 60 pauvres. Soit on jeûne obligatoirement 60 jours consécutifs, 2 mois. Expiation. Plus le jour à rattraper, ça fait 61. Ou bien, on doit affranchir un esclave. Alors, regardez cette question d'affranchir un esclave pour répondre à ceux qui disent ouais, l'islam, oui, l'esclavage. Quand l'islam est venu, il a trouvé. L'esclavagisme s'est répandu dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très ordinaire. Donc, l'islam a fait un statut à cet esclave en le sortant de son statut d'animal qui n'a aucun droit à devenir
sorte de quelqu'un, d'un travailleur, comme les gens d'aujourd'hui, c'est un travailleur qui a des devoirs et des droits, tout en instaurant une jurisprudence qui, avec le temps, va affranchir tous ces esclaves. Si tu fais ceci, cela, tu affranchis un esclave. Tu fais ceci, tu affranchis un esclave. Donc c'est quelque chose qui était impensable à l'époque du prophète, c'est-à-dire quelque chose de très ordinaire, qu'un esclave, on le traite moins qu'un animal. Mais l'islam, il a regardé cet homme qui était esclave, il va devenir un maître. Bilal qui était esclave, c'est lui qui va devenir non seulement un grand compagnon, mais il va monter sur le minaret, il fait appel à la prière, etc. etc. Même Salman Farisi, Salman était esclave, je ne sais pas si vous connaissez. Salman était esclave. Il a été vendu, lui, parce qu'il venait de... Il venait de Fars, Bilal Fars, des Perses. Lui, il a entendu parler qu'il y a un prophète de fin des temps qui va venir. Donc il a commencé à chercher, ce n'était pas un esclave. Et Mskin, il cherche, il entend parler, il rencontre des grands religieux, juifs, chrétiens, tout ça, dans vos textes, qu'est-ce qu'il dit. Il est tombé sur une caravane de bandits, hein. Ils lui ont dit, viens avec nous, on sait où il se trouve ce prophète-là. Au cours de route, ils ont dépouillé de tout son argent, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à une autre caravane. Donc lui, il était dans une direction. Il a été vendu à une autre caravane qui va vers Médine. Subhanallah. Il était esclave chez un juif. Ils l'ont amené vers Médine. Et il travaillait comme il est esclave. Ils l'ont vendu parce que faire ce qui se trouve dans un pays d'Arabie. Donc il était sur un arbre. Il était en train de travailler chez son maître. Mais lui, il a toujours cette idée de... Il cherche le prophète. Il y avait deux rabbins qui discutaient entre eux. Ils n'ont pas fait attention qu'il était sur là. Ils parlaient entre eux. Ils dit, t'as vu le prophète là? Il dit, est-ce que c'est... Et alors, les signes? C'est confirmé? Et il les a entendus parler. Un rabbin, il dit à l'autre, il dit, oui, c'est confirmé. Tous les signes, c'est confirmé. C'est un prophète des fins des temps. Et lui, comme il a entendu tellement, il était choqué, il est tombé. Il est tombé de là. Ils lui ont dit, tu as entendu ce qu'on disait. Il dit, j'ai rien entendu, moi, je ne savais pas, je ne sais pas ce que vous vous dites. Si, tu as entendu. Non, moi, j'étais là, je travaille, moi. Donc, il a cherché le prophète, il s'est converti. Et comme il était esclave, donc le prophète, il a envoyé des compagnons pour demander, parce que tous les sahabas qui se convertissaient, on essaie de les acheter pour les libérer. Et lui, c'était un peu exceptionnel, parce que son maître, il était... un homme qui... Il a demandé quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Ils ont dit, bon, vous voulez l'affranchir, nous, il faut planter l'équivalent de 4000 palmiers. Tu vois? C'est-à-dire des milliers de palmiers. C'est-à-dire pour dire, c'est impossible. Le prophète, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a appelé tous les compagnons, on va tous planter tous ces palmiers-là. Donc, il y avait un terrain à Médine. Et c'est resté, donc ils ont planté tous ces palmiers là, donc il a été affranchi. Et ça s'appelle Bassatin Salman, c'est-à-dire les jardins de Salman, c'est resté comme ça. Et malheureusement, ils ont été détruits, comme vous le savez, hein. Ils ont mis des autoroutes, machin, etc. Et c'est resté très très longtemps, jusqu'à ça fait pas longtemps, ces palmiers, c'est-à-dire ça a rénové, etc. Ils sont restés, c'est-à-dire tous ces jardins-là, c'est les compagnons qui les ont plantés avec le prophète, etc. C'est resté des siècles, on les rénove, etc. Mais malheureusement, ils ont été détruits, on met des autoroutes, des parkings, comme vous le savez, hein, comment ça se passe là-bas. Sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Alors. Siyam, le jeûne, était rendu obligatoire dans la deuxième année de l'Égir. Alors vous savez, toutes les adorations n'ont pas été rendues obligatoires dès le premier jour. Surtout la période mécoise, qui a duré 10 ans de révélation, la plupart des adorations ont été rendues obligatoires une fois que le prophète est venu à Médine. Parce que là, à Médine, il y a un état... Il y a un terrain, il y a des musulmans, il y a une mosquée, etc. Donc c'est un terrain favorable pour
pratiquer, c'est-à-dire pour que. Et Allah a rendu obligatoire plein de on va dire, c'est-à-dire de, plein d'adorations. D'accord? Donc, dans la deuxième année, le jeûne a été rendu obligatoire. Quelles sont les conditions d'obligation du jeûne? Donc, les conditions d'obligation du jeûne, vous avez, premièrement, on a les conditions d'obligation, on a les conditions de validité. Hein. Les conditions d'obligation, il faut avoir atteint l'âge de la puberté. Il faut avoir atteint l'âge de la puberté. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, on ne peut pas lui dire que c'est une obligation de jeûner. Non. Et l'âge de la puberté, on a dit, il a des signes. Quelqu'un qui devient, on en a parlé plusieurs fois. Pas la peine de revenir. S'il n'y a pas de signe, ni pour le garçon, ni pour la fille, on attend 18 ans. Si 18 ans, il n'y a aucun signe, il est majeur, c'est-à-dire il est pubère. D'accord? Dans l'école malikite, c'est 18 ans. Alors, deuxièmement, le fait de pouvoir jeûner. Qudra. Donc, ce n'est pas une obligation pour un malade qui ne peut pas jeûner, c'est pas une obligation. Un malade qui ne peut pas jeûner, c'est pas une obligation. Voire, c'est interdit pour lui. C'est interdit. Vous savez, dans la religion musulmane, on a ce qu'on appelle les finalités de la religion, les objectifs de la charia. Oh, attention, la charia. La charia. Vous ne connaissez rien du tout. Ah. Il ne faut que qu'attaquer le. Bien sûr, quand on a des criminels qui font n'importe quoi, on donne l'occasion. Vous avez des gens qui sont barbares. C'est des criminels, hein. Des gens qui attaquent comme ça, des gens, des passants, on les attaque et on les tue, etc. Ça, c'est des criminels. Si c'est des malades mentaux, il faut les mettre dans des asiles psychiatriques. C'est des criminels, il faut les mettre en prison. Et on n'en parle plus. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de l'islam. Voilà. C'est des criminels, et puis c'est tout. Alors, le pouvoir de jeûner, celui qui est malade, il ne jeûne pas. Et que c'est interdit si sa maladie, elle est légère. Alors, il a un petit rhume, machin, rien du tout ça. D'accord? Un petit rhume. Mais si ça, c'est-à-dire le jeûne, c'est-à-dire va l'affaiblir, il ne pourra pas guérir, ou bien il va retarder sa maladie, ou bien il voit sa capacité, il est incapable. C'est pas je jeûne, j'ai mal à la tête. Bien sûr, tu as mal à la tête. C'est tout à fait normal que tu as mal à la tête. Mais 2-3 jours, ça part. Dans le jeûne, on est fatigué, on n'a pas toutes les forces, c'est tout à fait normal. Mais si le jeûne, c'est-à-dire il a un impact sur la santé de la personne, il est interdit. Parce que vous avez des gens, ils te disent, oui, je sais, mais je vais essayer. Non, 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 non. Si le médecin, il te dit, c'est pas bon pour toi, un diabétique, ou là, quelqu'un qui a des insuffisances rénales, un problème rénal, ou bien cardiaque, ou tension, etc., etc., c'est le médecin qui juge. Si un médecin il te dit c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon. Tu es dans l'obligation de ne pas jeûner. L'obligation, c'est-à-dire tu commets un péché. Il y a des ulama, ils ont dit s'il jeûne et qu'il meurt, c'est compté comme un suicide. S'il jeûne, il meurt, c'est suicidé. Le médecin t'a dit que c'est interdit. On ne joue pas avec la santé. Donc protéger la santé est un des objectifs de la charia. Donc on a la religion musulmane, elle protège 6 grands principes. Toutes les fatwas, protection de la religion, hein, protection de l'homme, de sa santé, de l'environnement, l'homme, l'animal, etc. La protection des biens, la protection de la raison,
la protection de la dignité et la protection de la progéniture. Donc vous voyez, c'est-à-dire, on protège l'homme et tout ce qui, c'est-à-dire autour de lui. D'accord ? Donc s'il y a quelque chose dans la pratique religieuse qui remet en cause une de ses finalités, nous sommes dans l'obligation de remettre en cause cette recommandation religieuse. D'où on a des ulama qui changent le fatwa pour assurer la finalité et l'objectif. Vous avez compris ? Troisième condition d'obligation, le jeûneur doit être résident. C'est-à-dire qu'un voyageur n'est pas dans l'obligation de jeûner. Un voyageur, c'est celui qui voyage plus de 82 km. Si tu voyages moins de 82 km, tu n'es pas considéré comme voyage. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui est bien pour le voyageur? S'il a la capacité, il peut, etc. S'il peut, et il n'y a aucun souci pour lui, c'est mieux de jeûner. Et si vous jeûnez, ça c'est mieux pour vous. Dire, moi, je ne fatigue pas, moi, je vais prendre l'avion, la climatisation, machin, je vais faire, pas de souci. Donc il a le choix. S'il ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas. Mais s'il jeûne, il a beaucoup plus de récompenses. À condition que ce ne soit pas épuisant pour lui. Mais à condition. C'est le même cas de la prière. Tu peux pas. Un voyageur, il va dire, ah bon, j'ai mon avion aujourd'hui à midi, bon, 8h du matin, petit déjeuner. Non. C'est-à-dire que tu jeûnes, tu ne manges rien du tout. Tu n'es autorisé à manger qu'au moment où tu deviens voyageur. Tu es toujours chez toi, tu n'as pas démarré. Ton avion n'a pas décollé. Peut-être qu'il ne va pas partir. C'est-à-dire rappelez, ça va être la prière du voyageur. Si train ou voiture, etc., tu sors de l'agglomération. Là, tu es considéré voyageur. Si tu utilises l'avion, une fois que l'avion décolle, tu es considéré comme voyageur. Pas avant. Donc, ni la prière ne sera raccourcie, ni le manger. Moi, je vois des gens, il va partir le matin, il va boire de l'eau. Non, et si il pose, tu ne pars pas. Et comment ? Tu n'es pas encore voyageur, tu vas devenir voyageur. Non. Il doit prendre son jeûne au moment du coucher du soleil du pays où il voyage ? Oui, du pays où il arrive. Et si ça pose problème vis-à-vis du pays où il arrive ? Pourquoi ça pose problème ? Des États-Unis, on part par exemple des États-Unis. Quel moment? Non, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. S'il démarre des États-Unis, le problème. Il observe le. Le coucher du soleil sera beaucoup plus proche que à l'endroit où il était. Parce qu'il se rapproche vers. Oui, peu importe. L'essentiel, c'est que l'endroit où il arrive, il ne peut pas manger. Ça sera déjà trop tard parce qu'il sera par exemple 4h du matin. En gros, il part juste une heure avant le coucher du soleil. Et le temps qu'il arrive en France, il sera déjà 4h du matin. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire, vous voulez dire que. C'est-à-dire le Maghreb en France, il est déjà passé. Une fois qu'il rentre dans le. Bien que pour qu'il complique pas l'existence, il mange. Hein, moi, je suis sûr qu'il mange. Mais bon, supposons qu'il ne mange pas, on va dire, toutes les possibilités. Du moment qu'il rentre c'est-à-dire qu'il est sorti de la sphère américaine, il est rentré dans la sphère européenne. Il prend en considération le premier marab du premier pays d'Europe. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, l'Angleterre ou même la France. C'est-à-dire, il sait qu'il va arriver en France, mais le marab, il est rentré en France. Là, il peut casser le marab en plein avion. D'accord ? Puisque, pour revenir à la question de la soeur. D'accord ? C'est bon. Alors, on a des conditions d'obligation. Vous avez trois, donc. Maintenant, les conditions de validité. Premièrement, il faut qu'il soit musulman.
peux pas demander à un non-musulman de jeûner. Ben non. Il n'est pas musulman. Comment tu lui demandes? Deuxièmement, il faut que le jeûne soit fait au moment où il est autorisé de jeûner. Par exemple, tu peux pas jeûner le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, c'est une obligation de ne pas jeûner, de casser son jeûne. D'accord? Ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, vous avez des conditions d'obligation et de validité en même temps. Donc, on a vu les conditions d'obligation, conditions de validité. Maintenant, conditions d'obligation et de validité. Premièrement, il faut qu'il soit saint d'esprit. C'est-à-dire, un fou, n'est pas obligé de dire à un fou, c'est un fou. Enfin, pas dans l'obligation. Ou bien quelqu'un qui s'est évanoui. Non, quelqu'un qui s'est évanoui toute la journée. D'accord. Ou bien une femme qui est dans la période indisposée, elle a les règles, ou bien les lochis, femme qui a donné naissance. Donc, des femmes qui a des règles, ou bien la période des règles, ou bien regardez la rahma de l'islam, la clémence de l'islam. Une femme qui est en période de règles, elle perd du sang, etc. Elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. D'accord? Elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. C'est une période un peu difficile, elle perd du sang, elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, etc. Elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Une femme qui a aussi, qui a donné naissance, elle perd de l'oshi aussi, c'est la même chose. Alors pour les femmes, la femme qui est en période indisposée ou bien elle a des loshi, elle ne rattrape pas les prières. Par contre, elle rattrape le jeûne. Elle ne rattrape pas les prières, elle rattrape le jeûne. Et si elle était en train de jeûner, et à midi, elle a vu qu'il y avait des taches de sang. Classe. Elle casse son jeûne, elle mange. D'accord. Et elle doit rattraper ce jour-là. Vous avez des fois, on n'est pas... C'est humain. C'est pas nous qui réglons notre... T'as des femmes, parce qu'il y en a 5 minutes avant l'adhan, elle a une tâche. D'accord. C'est marrant. C'est 5 minutes avant l'adhan, on doit le rattraper cette journée. Bien qu'elle a jeûné toute la journée, donc elle est récompensée. Mais si c'est 2-3 minutes, non. 3 minutes, non. On va pas aller sur le... Parce que déjà, les calculs, là, entre... Les calendriers d'aujourd'hui, on a des fois des divergences de 30 minutes. D'accord. Donc si c'est 2-3 minutes, 4 minutes, c'est pas grave. Mais à partir de 5 minutes, allez, on va dire à partir de 10 minutes. Hein, à partir de 10 minutes, on doit rattraper. D'accord. Moins de 10 minutes, non. On rattrape. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais détailler tout ça après. Donc, troisièmement, donc là, on est dans les conditions d'obligation et conditions de validité en même temps. On a dit Saint-Esprit, femme qui a... Oui, la femme enceinte, elle jeûne si elle peut. Si elle a peur pour elle ou pour son bébé, elle ne jeûne pas. Mais si elle a la capacité de jeûner, elle est dans l'obligation de jeûner. Mais si elle a peur pour elle ou pour son bébé, elle ne jeûne pas. Et elle rattrape après. D'accord? Par contre, pour la femme qui est allaite, elle rattrape après et il lui faut une expiation. Fidia. C'est pas expiation, Fidia. Fidia, comment on dit Fidia? Fidia. Bon, compensation. Hein? Compensation. Oui. De 5 euros, l'équivalent de 5 euros par jour. Pourquoi? Parce que la différence entre. Sans, c'est-à-dire celle-là, elle rattrape et elle paye. Parce qu'elle allait. Juste elle allait. Parce que celle qui est enceinte, elle est considérée comme les fouqaha, ils ont dit, comme si quelqu'un qui est malade. Mais celle qui allait, non. C'est-à-dire elle a juste peur qu'on aura moins de lait. D'accord. Donc elle a le droit,
Mais elle rattrape et elle doit payer pour chaque jour, c'est-à-dire nourrir un pauvre, c'est-à-dire donner un déjeuner à un dîner, pour chaque jour. Oui. Ça marche aussi pour les nourrices. Les nourrices. Oui, il y a des femmes qui ne sont pas enceintes, mais qui nourrissent des enfants. Enfin, ce n'est pas le leur. Elle l'allaite. Oui. Elle l'allaite. Même si ce n'est pas son enfant. Mais on parle d'allaiter. C'est la femme qui allaite de son lait. Mais que ce soit son enfant ou pas son enfant. Oui, mais il n'y a pas de souci. Son enfant ou pas son enfant, mais ce n'est pas le biberon, hein, c'est à l'allaite. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Son enfant ou pas son enfant. Du moment qu'elle a peur, que, c'est-à-dire de ne pas avoir du lait pour c'est-à-dire l'alimenter. Oui, bien sûr, bien sûr. Troisièmement, donc on a dit premièrement Saint-Esprit, deuxièmement, elle n'est pas dans la période indisposée. Troisièmement, il faut que le moment du jeûne soit rentré. D'accord. Par exemple, pour Ramadan, il faut que le mois de Ramadan soit rentré. Pas, c'est-à-dire, je jeûne Ramadan, mais avant Ramadan. Ben non, il faut. Donc, on a terminé les conditions. Maintenant, comment reconnaît-on que le mois de Ramadan ou bien le mois de Shawwal est rentré? Comment on reconnaît le mois? Donc, aujourd'hui. Donc les fuqaha disent que on reconnaît le mois en observant le croissant. Alors, on voit le croissant, quand on le voit aujourd'hui, il est fin, les spécialistes le connaissent, il est fin, c'est-à-dire le début du mois commence, on le voit aujourd'hui, avant le maghrib, juste après, il est là, donc c'est demain le premier jour. Mais c'est pas tout le monde qui peut le voir. Surtout aujourd'hui avec les lumières, etc. Si personne ne l'a vu, on ne l'a pas vu, donc on rajoute, c'est parce que les mois lunaires, ils sont soit 29, soit 30. Il n'y a pas 28, il n'y a pas 31. Tous les mois, ou 29 ou 30. D'accord. C'est-à-dire, le 28e jour, on est au 29e, on se dit, aujourd'hui c'est le 29, on se dit, soit demain c'est le premier jour du mois nouveau, soit demain ça sera le 30. Si on ne l'a pas vu, donc si on voit rien, on rajoute un jour, donc le mois de Sha'ban, qui est le mois avant Ramadan, au lieu qu'il soit 29, il est 30. D'accord. Et l'autre jour, c'est automatiquement le premier, puisque on a dit les mois soit 29 ou 30. Ce que vous comprenez. C'est à partir du maghrib qu'on voit ça ? Oui. Avant le maghrib même. Ah bon ? Avant le maghrib. Et là, question qui se pose. Maintenant, il y a les moyens technologiques. Maintenant, les grands spécialistes nous disent, est-ce que les spécialistes dans ce domaine, les astrophysiciens, etc., ils nous disent, je ne parle pas du calcul, et du positionnement de la Terre par rapport à la Lune, quand les spécialistes, comme cette année par exemple, ils ont dit, j'ai parlé, on a fait même un colloque sur cette question, cette année, ils ont dit que toute la Terre entière, sa position, elle est impossible de voir le croissant du mois de Ramadan. Celui qui vous dit qu'il l'a vu, il ment. Tous les instituts dans le monde. On dit ça. Il y a une toute petite partie sur Terre, du côté de Panama, petite région, toute petite, où perdu, il n'y a personne là-bas. Si on est là, il y a possibilité peut-être de le voir. C'est le seul endroit qui nous permet peut-être de le voir. C'est ce qu'ils ont dit cette année. Donc, toute la Terre entière, tu peux être dans n'importe quel endroit, avec n'importe quel télescope, avec n'importe quel... impossible de le voir, parce que c'est le positionnement, il est impossible. Donc on a les astrophysiciens, les spécialistes, ils nous aident sur ces questions. Bien, il te dit, cette année, ceux qui sont dans telle région, par exemple, Égypte, machin, etc., etc., ils ont possibilité de le voir de telle heure à telle heure. Donc si d'autres endroits nous disent, ils ont vu, mais on sait que c'est ils ont raconté n'importe quoi, pour ne pas dire des menteurs. Et ça s'est avéré
que les spécialistes ont dit c'est impossible de le voir dans tel endroit, qu'il y a des gens, ils ont dit qu'on l'a vu. Donc, il faut arrêter un peu de... D'accord. On a l'intention d'inviter un colloque, on l'a fait avec un grand spécialiste, ancien chercheur de la NASA, qui travaille actuellement, il est dans un grand centre aux Émirats arabes. Inch'Allah, on a l'intention de l'inviter. J'aimerais bien l'inviter, pour qu'il nous parle sur question de croissance, etc. Et sur les heures de prière, surtout, comment on les calcule, etc. Donc le colloque, c'était sur ça. Espérons qu'on aura tout ce qui a été enregistré, posté. Allez. Donc, le croissant, s'il est observé par deux personnes, c'est deux personnes, adl, c'est-à-dire des personnes fiables, adl, c'est-à-dire des dignes de confiance, des gens de parole, pieux, etc., etc., il faut que ça soit deux. S'ils disent qu'ils l'ont vu, on prend en considération leur témoignage. Si c'est un, non, il faut que ça soit minimum deux. Si c'est un groupe de personnes, c'est-à-dire beaucoup de gens ont dit qu'ils l'ont vu, ça ne nécessite pas qu'ils soient fiables, ces gens-là. D'accord? Parce que 20, 30 personnes ne peuvent pas tous dire, c'est-à-dire se rassembler sur un mensonge. Ils peuvent se rassembler sur un mensonge un petit moment, mais à un moment donné, il y a un, il va dire non, c'est pas vrai. D'accord? Quels sont les piliers du jeûne? Oui, il y a la possibilité de calculer. Les Hanafites, ils optent pour cette... les Hanafites optent. Ils te disent d'ici 100 ans, tel jour, ils ont ce calcul. Ils ont la possibilité de calculer. Mais cet avis n'est pas suivi par toutes les écoles. Les Turcs, par exemple, ils ne se cassent pas la tête. C'est des Hanafites. À l'avance, ils calculent. Ils savent par calcul que le croissant... il sera, etc. Mais cet avis-là n'est pas partagé par les autres écoles. Donc, du coup, la question de c'est-à-dire d'observer le croissant, c'est celle qui est, c'est-à-dire suivie par les autres écoles. Cela dit, on respecte l'avis des calculs. C'est-à-dire, si un pays, par exemple la Turquie, ont décidé d'opter pour tout le pays, et on est en Turquie, on doit suivre. C'est-à-dire, tu suis le pays où tu es. C'est pour cela que moi je suis choqué des gens, ils vivent dans un pays et ils ne suivent pas la majorité des musulmans qui sont dans ce pays-là. Il va jeûner avec, comme les Turcs en France. Moi je vis beaucoup de Turcs, ils vivent en France, mais il va jeûner avec la Turquie. Ben non, tu es en France, tu jeûnes avec avec la France. Comme nous, si on est en Turquie, on va jeûner avec les Turcs. Mais lui, il est là, le calendrier de prière aussi, tu vas suivre la Turquie ou... Ben, c'est débile. Il n'y a pas que eux. Hein. J'ai vu même des gens qui suivent l'Arabie Saoudite. Ils font l'Eid avec l'Arabie Saoudite. Ben non, t'es en France, tu suis la majorité des musulmans en France. Il y a des instances représentatives. Ils se sont réunis. Ils ont fait une déclaration. Ils se sont mis d'accord que demain, c'est le jeûne, tu dois jeûner. Tu suis la majorité. Pourquoi diviser la Oumma? Oui. Imaginons qu'on commence le jeûne en France et qu'on change de pays. Oui, tu... Voilà. Oui. On a fait par exemple que 28 jours de ramadan. 28 jours, tu rattrapes une journée. Si c'est 29, tu rattrapes rien du tout. Donc, si, bonne question de ma sœur, si il s'avère que vous avez des fois des pays qui jeûnent avant les autres, etc. S'il s'avère que tu as jeûné dans un pays, tu es parti dans un autre, et quand tu fais la somme des jours que tu as jeûné, si c'est 29 jours, c'est bon, tu rattrapes rien du tout. Par contre, si c'est, tu as 28 jours ou 27 jours, il faut que ça soit minimum 29. Il faut que ça soit 29 jours. Tu rattrapes. D'accord? C'est bon. C'est-à-dire les jours, non, c'est 20. C'est 30 et on arrive dans un pays où il y a le lendemain, c'est 31. Non, on ne jeûne pas. Il faut que ça soit maximum 30. Alors, les piliers du jeûne, premièrement, l'intention. On a dit, les actes ne valent que par l'intention. Et les intentions, qui connaît l'intention de l'autre? Moi, je peux vous poser une question. Quelqu'un de vous connaît l'intention, ce qu'il y a dans le cœur de l'autre?
Donc il faut cesser de juger les gens. Oui, machin, oui, oui, ça se voit. Ça se voit rien du tout. Donc peut-être qu'au moment où que toi tu as vu quelque chose, c'est vrai, mais une minute après, peut-être il s'est repenti. L'islam, c'est une religion personnelle. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui te concerne, toi et ton Seigneur. Personne n'a le droit d'interférer. On n'interfère pas. On conseille, c'est vrai. Mais c'est pour cela, une fois dans une bataille, il y avait un compagnon, je pense, Ibn Ali, ou Omar, je ne me rappelle pas. Il était en train de se battre contre un mécréant. Et il lui a frappé son épée. L'autre, c'est une épée, il est resté son épée, elle a tué, il lui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, le mécréant. Malgré ça, le compagnon, il l'a tué. Le prophète, il lui a dit, pourquoi tu l'as tué? Il a dit, il a fait l'attestation deux fois. Il a dit, à Rasulallah, il a fait l'attestation deux fois par peur. Parce qu'il a vu que tout à l'heure, il se bat contre moi. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, awa shaqaqta ala qalbi. Pourquoi tu as ouvert son cœur pour voir s'il l'a fait par peur? Il a fait l'attestation deux fois, tu vois, tu te contentes de ce que ça y est. Il a dit, il a fait. Pas là pour. Donc la question de l'intention, elle est hyper importante en islam. Chaque acte, ils lui font une intention. Et l'intention, laissons l'intention au Seigneur, à Allah. Mais même les anges ne connaissent pas les intentions. Les anges, qu'est-ce qu'ils notent? Ils notent les bonnes et les mauvaises actions. Mais le jugement dernier, peut-être, eux, ils voient des choses et ils notent. Mais le jugement dernier, seul Allah qui juge. Hein. Tu ne peux pas. Des gens, peut-être, toute sa vie, c'est un pourri de chez pourri, si tout le monde. Mais le jugement dernier, peut-être, il fait partie des meilleures personnes. Et vice-versa. Des gens, un seul acte peut les sauver. Donc, premièrement, l'intention, à condition que l'intention soit faite avant le Fajr. C'est-à-dire, tu as l'intention de jeûner demain, que ce soit pour le jeûne obligatoire ou surrogatoire. J'ai l'intention par Ramadan, c'est avant le Fajr que je mets dans la tête que demain je vais jeûner, c'est Ramadan. Ça veut dire l'intention. C'est-à-dire, je me prépare, je mets dans la tête, ça doit être Ramadan. C'est pas. Il va crier sur le toit, attention, je jeûne. L'intention, c'est avoir l'intention, c'est dans le cœur, tu sais que tu vas jeûner. Mais il faut que cette intention soit faite avant le Fajr. Est-ce que vous comprenez? Oui. Imaginons justement qu'on se lève pour manger avant le Fajr, c'est considéré comme une intention. On s'est levé. On s'est levé pour manger. Manger quoi? Sohor. Oui, voilà. Oui, bah oui, c'est voilà. C'est ça. L'intention, c'est je sais, dans ma tête, c'est demain Ramadan. C'est ça l'intention. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où, une fois, il s'est levé, ensuite, il s'est levé la journée, donc il a pris Sohor, etc. Le jour, il s'est levé. Il a demandé à Sayyida Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle a dit, il n'y a rien. Rien du tout. Il a dit, Ya Allah, aujourd'hui je jeûne. Il n'avait pas fait l'intention à bosser. D'accord. Mais ça concerne le jeûne surrogatoire. Ça ne concerne pas le jeûne obligatoire. D'accord. C'est spécifique au prophète aussi. Deuxième pilier. Alors, la question de l'intention. Comme a dit l'imam Ashar, c'est-à-dire il suffit de ramener l'intention avant le premier jour de Ramadan. Cette intention-là suffit pour tout le mois. Je ne suis pas dans l'obligation, tous les jours je ramène l'intention. Ça y est, ma tête, c'est tout le mois. Sauf si au milieu c'est coupé. C'est-à-dire j'ai mis l'intention de jeûner une semaine, ensuite j'ai voyagé. Ça, je l'ai coupé. En voyageant, je n'ai pas jeûné. Pour reprendre, je dois reprendre l'intention de jeûner. Ou bien quelqu'un qui est malade. Donc si ça coupe, tu dois reprendre l'intention. Mais une intention suffit à tout ce qui se suit. Vous comprenez? Alors deuxième pilier, c'est de s'abstenir de manger ou de boire et d'avoir des rapports de la prière du Fajr jusqu'à coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce qui est recommandé
Mendoubat Som. Les recommandations du jeûne. C'est juste recommandé, ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. La différence entre recommandé et moustahab. Yak, recommandé. Vous comprenez? On a dit quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, est-ce qu'il est dans l'obligation de jeûner? Bon. Il s'est réveillé le matin, il a fait son petit déjeuner, ou la halle, normal. À midi, il a atteint l'âge de la puberté. C'est possible. Au cours de la journée. Avant, il n'a pas atteint l'âge. Ensuite, au cours de la journée, il a vu un signe. Il n'est pas dans l'obligation, parce qu'il est, il ou elle est. Elle a eu ses règles au cours de la journée. Donc, c'est un signe. Bon, si elle a eu ses règles, donc elle n'est pas jeune. On parle d'un autre signe. Donc, au cours de la journée, il a atteint l'âge, il ou elle. Il lui est recommandé, à partir de ce moment-là, de ne pas manger. D'accord, de s'abstenir. C'est-à-dire, il va arrêter de manger ou de boire. Ou elle. C'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Il le rattrape, c'est ça? Il le rattrape. Aussi, c'est la femme qui est dans la période de l'oshi ou indisposée. Pardon. Une femme qui est dans une période indisposée, elle a ses règles, au cours de la journée, elle a ses règles, mais à un moment donné, elle remarque qu'il n'y a plus de sang. Elle est propre. D'accord? Pour la prière, du moment où elle voit qu'elle est propre, elle est dans l'obligation de commencer la prière. Pour le jeûne, il lui est recommandé d'arrêter de manger ou de boire. Vous comprenez? Il est juste recommandé, ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une obligation. C'est juste une recommandation. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Vous avez compris? Donc une femme, dans une période indisposée, le sang s'est arrêté, elle peut continuer à manger toute la journée. D'accord? Mais il lui est recommandé d'arrêter de boire et de manger. Période d'oloshi, le sang s'est arrêté, elle est devenue propre. Est-ce qu'elle est dans l'obligation de jeûner au cours de la journée que le sang s'est arrêté? Elle lui est recommandé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Je sens qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Vous avez compris? Par contre, il est obligatoire de rattraper le jeûne. Enfin, la journée du coup. Bien sûr, bien sûr. Elle rattrape. C'est-à-dire les femmes indisposées ou l'oshi, elle rattrape le jeûne par la prière. D'accord? Aussi, quelqu'un qui est malade. Il est malade, il est vraiment malade, etc. On a dit que s'il a peur que sa maladie s'aggrave, ou qu'elle soit retardée, ou il a peur pour sa santé, il est dans l'obligation de ne pas jeûner. Ce n'est pas ce qui lui est recommandé. Il est dans l'obligation, parce qu'il met sa santé en péril. Alors, dans ce cas-là, mais à un moment donné, ça y est, il se sent bien, il a pris des médicaments, il se sent en forme, etc. Il a le droit de ne pas jeûner. Mais il lui est recommandé d'arrêter de boire et de manger. Juste recommandé. Vous comprenez? Non. On est dans les recommandations du jeûne. Hein. Il est recommandé pour ceux qui doivent rattraper. On a dit, ces gens-là, une femme qui est indisposée, quelqu'un qui est malade, un voyageur... Les gens qui ont un alibi, valable de ne pas jeûner. Une fois que Ramadan termine, ils doivent rattraper. On est bien d'accord. Donc il est recommandé de rattraper le plus vite. C'est-à-dire juste après Ramadan, il est recommandé. Est-ce qu'il est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. C'est pas une obligation. Je peux attendre. Moi, je suis fatigué. J'ai passé tout le mois de Ramadan à jeûner. Là, je veux... rester un petit peu, reprendre les forces, un mois, deux mois, trois mois, il n'y a pas de souci. Mais il est recommandé de rattraper le plus vite. Parce que si, imaginez quelqu'un qui a
Il est resté toute l'année, et chaque mois, il dit, bon, attends, le mois prochain. Voilà. Surtout, les sœurs disposées vont dire, bon, on va voir le mois prochain, attends, je vais rattraper le mois prochain, jusqu'à ce que l'autre ramadan, il arrive. Si l'autre ramadan arrive, il n'a pas encore rattrapé les jours de ramadan d'après, donc il va les rattraper après que le nouveau ramadan passe, mais il doit, pour chaque journée de retard, il doit donner à manger à un pauvre un déjeuner, un dîner, l'équivalent de 5 euros pour chaque jour. Ça, c'est dans le cas où, c'est-à-dire il a négligé, voilà, c'est par négligence, c'est pas par alibi. Imaginons toute l'année il était malade, c'est pas par négligence, celui-là il n'a pas à payer, il paye rien du tout, hein. Ou bien il était tout en voyage, il y a des gens, hommes d'affaires, tout ça, il passe son temps, d'accord. On parle de celui qui a négligé, c'est par négligence ou fainéantisme, oh, après on verra. Bon. Bien sûr, il est recommandé à quelqu'un qui jeûne. Bien sûr, on jeûne. Pourquoi on jeûne? On jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Et on n'a pas de rapport. Le jeûne, on parle toujours du côté juridique, mais on oublie le contexte spirituel. C'est le plus important. C'est pas le fait de ne pas manger ou de boire. C'est pas que ça veut dire ne pas manger ou de boire. C'est pas du yoga. Hein, c'est pas. Les gens ils vont pas. C'est vrai que moi je connais beaucoup de non musulmans qui jeûnent. Ils savent que c'est très bien pour la santé. D'accord, c'est prouvé hein, scientifiquement que le corps se désintoxique, d'accord, parce qu'il y a des cellules, etc., on a des concentrations d'eau dans les cellules, il faut que le corps, c'est-à-dire, c'est comme si tu fais un vidange, c'est-à-dire tout l'eau que tu as, à un moment donné, hop, le corps, il faut lui donner quand même, il doit quand même, toute l'année on le fait travailler, tu as des machines, c'est-à-dire... Le corps humain, c'est le corps humain. Il faut lui donner des laps de temps pour qu'il... c'est-à-dire, tout ce qu'on a, hein, le foie, le cœur, l'estomac, machin, on lui donne une fois par an un petit repos. Même si on mange le soir, mais le fait qu'il ne consomme pas toute la journée ni eau, ni nourriture, etc., tu lui donnes une pause. Donc, cette pause-là lui permet un petit peu de se rééquilibrer, etc. Et c'est prouvé scientifiquement. Je vous envoie un document que j'ai vu sur ça. Ce n'est pas un musulman qui l'a fait. Hein. C'est un non-musulman, un scientifique. Il a prouvé comment le corps humain se rééquilibre. Il a besoin de sortes de vidanges une fois par an. D'accord? Minimum. D'accord? Alors, on a dit le côté spirituel. L'homme, il ne mange pas. Il ne boit pas. Il n'y a pas de rapport, c'est bon. Mais il passe son temps à insulter celui-là, à semer la zizanie avec l'autre, à mentir sur celui-là, à attaquer celui-là. Ben non. Il y a le hadith du professeur Azmi, il dit combien de personnes jeûnent, ils n'ont rien gagné de leur jeûne qu'ils n'ont rien mangé, ils n'ont pas bu. Ben, c'est pas ça. Il y a quelque chose de spirituel dans le jeûne. C'est-à-dire que. On essaye d'éduquer le corps, non seulement à gérer notre rapport avec la matière, avec la nourriture, qu'on devient maître de nous-mêmes vis-à-vis de cette, surtout on est dans une société de consommation où, c'est-à-dire tout est concentré dans la, on consomme, tu vas dans un centre commercial juste pour acheter du sel, tu sors avec un casier bien rempli, etc. Donc on est dans une société de consommation, de surconsommation même. Ensuite la nourriture, elle est comme maintenant c'est extraordinaire, hein. Tu vois une petite canette, tu dis oh elle est belle, machallah, bien, gaz, etc. Mais quand tu vois c'est-à-dire le taux du sucre, le taux des colorants, etc. C'est-à-dire on consomme des choses qui sont c'est du poison. Même le bio aujourd'hui n'est pas vraiment bio, vraiment qualifié. C'est-à-dire nous devons gérer cette question de gaspillage, cette question de qualité de nourriture. C'est très important pour le corps humain. Il ne faut pas qu'on consomme tout ce qu'on nous donne. C'est-à-dire, tu as, tu... Et surtout, maintenant, les...
Surtout, on joue sur les emballages. C'est-à-dire, la beauté de l'emballage ne reflète pas l'intérieur de la chose. Elle est belle, machin, etc. Mais attention, si tu vois, c'est des gens qui vont... C'est pour ça qu'il faut, lire un petit peu les ingrédients. Il faut pas consommer tout ce qu'on... Il faut que tu préfères consommer des légumes, des choses naturelles, machin. C'est la santé, quand même. C'est important. Donc, le côté spirituel, il est important. C'est de cesser. Déjà, c'est interdit, même en dehors de Ramadan, c'est interdit. C'est interdit de parler sur les gens, c'est interdit de semer la zizanie, c'est interdit de s'occuper des problèmes des autres. Occupe-toi de tes problèmes. Déjà, si tu arrives à t'occuper de tes problèmes, c'est déjà que tu es un champion. Alors, laisse les gens à leur seigneur. Chacun doit s'occuper de ses problèmes. D'accord. Si tu peux conseiller, si tu peux aider, c'est tant mieux. Sinon, laisse les gens tranquilles. Donc, et pendant le mois de Ramadan, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire, on est là à ne pas manger, à ne pas boire. On fait un effort. C'est un effort spirituel. Donc, il faut que cet effort spirituel-là soit accompagné de c'est-à-dire, on s'abstient à ne pas commettre des péchés, à ne pas parler sur les gens, à ne pas semer la zizanie, à avoir quand même... c'est une élévation. C'est-à-dire, tu adaptes ton corps et adaptes aussi ton cœur. C'est-à-dire, il faut que ça marche. L'âme, il faudrait qu'elle soit élevée, comme dit Cheikh Al-Alawi, le soufisme, c'est d'élever le corps au niveau de l'âme. L'âme, elle est pure. Mais le corps, il ne cherche que les problèmes. D'accord ? Donc, on doit l'éduquer. Donc, il est recommandé de cesser, etc. etc. Il est recommandé aussi de manger, de casser son jeûne le plus rapidement possible. C'est-à-dire une fois que le coucher du soleil est rentré, on ne va pas dire, bon, le coucher du soleil est rentré, c'est bon, mais bon, moi, je n'ai pas faim. De toute façon, je vais prier. Non. Ne serait-ce une gorgée d'eau, il faut le casser. C'est-à-dire la sunna, c'est soit des dattes. Alors, je vois les Maghrébins, ils nous ont inventé un truc, c'est le lait. Ça, c'est pas dans la sunna, hein. C'est pas d'où ça vient, ça, chez nous. C'est-à-dire, les fermenter. Non, la sunna, c'est des dattes. Si j'ai pas de dattes, de l'eau. D'accord? C'est-à-dire, la sunna, c'est pas que c'est interdit, mais je vous dis ce qui est recommandé. C'est-à-dire, c'est des dattes, une ou trois ou cinq, c'est préférable que ce soit, c'est-à-dire, un chiffre impair. D'accord? On mange des dattes, bien sûr, il y a un doha, une invocation. Et le jeûneur, quand il casse son jeûne, son doha, il est exaucé. D'accord? On fait le doha. Si on ne connaît pas le doha, on fait n'importe quelle invocation. Et soit des dattes, soit de l'eau. D'accord? Ce n'est pas une obligation, c'est juste recommandation. Mais le plus tôt possible. Dès que le mu'adhan, il fait son adhan, dès qu'il termine, on casse son jeûne. D'accord? Ça, c'est recommandé. Il est recommandé aussi pendant le jeûne, ou bien pendant le mois de Ramadan, ou le jeûne, de faire beaucoup de prières surrogatoires, de lire le Coran, de faire des invocations, et donner de l'aumône, c'est-à-dire aider les pauvres. Donc, on voit que c'est un mois, quand même, de spiritualité. C'est-à-dire que tu t'abstiens de manger, tu t'abstiens de boire, tu t'abstiens d'avoir des rapports la journée, pas la nuit. Et aussi d'aider les pauvres, de faire des invocations, lire le Coran, l'aumône, etc., etc. Maintenant, un titre. Quels sont les jours où le jeûne est recommandé? Donc, on a vu que le jeûne, il est obligatoire pendant le mois de Ramadan. Il est obligatoire si on fait une promesse. Il est obligatoire dans les expiations. D'accord? Maintenant, il est recommandé quand le jeûne? Recommandé. Alors, il est recommandé pour la journée de Arafat. Pour la journée de Arafat, c'est le mois du Hajj, de l'Hijjah. C'est le 9e jour, parce que le 10e jour, c'est l'Aïd. Mais pour le non-pèlerin, c'est pas recommandé au pèlerin. Le pèlerin, il est dans une... C'est dur le pèlerinage, ça demande un effort physique. D'accord? Parce qu'il doit marcher beaucoup, etc. Il fait beaucoup. Ce n'est pas recommandé pour lui. C'est déconseillé de jeûner pour le pèlerin. C'est déconseillé. Donc pour le non-pèlerin, quelqu'un qui n'est pas pèlerin, le 9e jour de l'Hijjah, d'accord? Ça s'appelle Arafat.
en fait, parce que les pèlerins sont sur le mont de Arafat, cette montagne. Donc, il est fortement recommandé de jeûner cette journée-là. Et elle efface les péchés d'une année. D'accord ? Sunna li hurrin ghayri hajjin bi minas. La sunna, c'est pour celui qui n'est pas... Non, c'est pas le pèlerin. Aussi, il est recommandé de jeûner les 8 jours, les 8 premiers jours de ce mois-là de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire le mois du... On appelle le mois Dhul-Hijjah le mois du pèlerinage. D'accord. Aussi, il est recommandé le mois de Muharram. Le mois de Muharram, surtout le 9e et le 10e. Le 10e de Muharram, ce qu'on appelle Ashura. D'accord, le 10e, c'est Ashura. Et le 9e aussi, il est recommandé. 9e. Tessoua ou Ashura. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré de la Mecque vers où ? Vers Médine. Quand il a émigré de la Mecque vers Médine, il a trouvé les Juifs, ils jeûnent le 10e jour de Ashura. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez, vous les Juifs, pourquoi vous jeûnez le 10e jour de Ashura. C'est une journée quand même, elle a sa valeur cette journée d'Ashura. Ils lui ont dit, on jeûne ce jour-là pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse de Pharaon. Parce que c'est le jour où Pharaon, avec son armée, il attaque. C'est-à-dire que Moïse qui était avec les croyants, ils sont arrivés devant la mer, et ce jour-là, Pharaon, ils allaient tuer les musulmans, hein, Moïse avec eux, et qu'Allah a fait que Moïse, c'est-à-dire la mer, c'est-à-dire s'ouvre, d'accord, et il a eu un chemin, il a traversé, et c'est le jour où Pharaon, c'est-à-dire il a été emporté par la mer, etc. etc. Donc, il remercie les Juifs, jeûnent ce jour-là, pour remercier Allah d'avoir sauvé le grand prophète Moïse. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Nahnu awla bi Moussa minkum. » Nous devons le faire aussi plus que vous. Si vous remerciez Allah pour Moïse, nous aussi nous devons remercier Allah pour Moïse. C'est un grand prophète. Les musulmans doivent croire à tous les prophètes. D'accord ? Et il a dit, non seulement on va jeûner le 10e jour pour comme vous, mais on va jeûner aussi le 9e jour. Si vous jeûnez que le 10e jour, nous on va jeûner 9e et 10e. Regardez cette grandeur de ce grand prophète qui remercie Allah d'avoir sauvé un prophète comme lui. Vous comprenez ? Alors il est recommandé pour nous aussi de jeûner le 9e et le 10e. Ça veut dire que les Juifs aussi ont un calendrier lunaire ? Oui, ils ont leur calendrier, oui, lunaire. Oui. Mais selon leur calcul, hein, je suis incapable de dire comment ils calculent. Je suis incapable. Je peux me renseigner. C'est une bonne question, je peux me renseigner. Alors, il est recommandé aussi de jeûner les deux mois avant Ramadan. Moi, j'avais un cheikh qui vient de décéder, et un grand cheikh qui est mort à l'âge de 103 ans, rahimahullah. C'est un grand cheikh, hein, vraiment. C'est d'une rareté actuellement dans le monde. Alors, il est... Bon, maintenant, ça fait 5-6 ans qu'il ne jeûne pas. Il a 103 ans quand même. Mais je me rappelle, j'ai passé avec lui une quarantaine d'années, donc je le connais très très bien. Il jeûnait les 3 mois, il est jeûne. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc il est recommandé de jeûner les 2 mois avant Ramadan, recommandé. Lui, il est jeûné. Depuis 60 ans, il est jeûne. Donc il est recommandé de jeûner Rajab, il est recommandé de jeûner Sha'ban, et Ramadan, c'est une obligation. Donc celui qui peut jeûner quelques jours ou tout le mois de Rajab et tout le mois de Sha'ban, donc vous avez Rajab, Sha'ban et Ramadan. D'accord ? Celui qui peut, il y a des gens qui peuvent. Hein. Ça devient quelque chose de facile. C'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Sixièmement, on est au cinquième. Cinquièmement, donc 6 jours du mois de Shawwal. Alors, il est recommandé de jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient après Ramadan. Alors,
Après, donc, une fois Ramadan termine, le jour qui vient après, c'est le jour de l'Aïd. C'est la fête. C'est interdit de jeûner. Hein, c'est un jour de fête. Mais le deuxième jour, le premier jour de Shawwal, c'est Aïd. D'accord ? Aïd al-Fitr. Mais le deuxième jour, peuvent commencer les six jours dont c'est recommandé. Alors, dans l'école malikite, il y a un petit débat entre les juristes consultes, spécialistes de la jurisprudence. L'école malikite, ils disent, il est déconseillé de jeûner les six jours qui suivent. C'est-à-dire, on va les répartir dans le mois. D'accord ? Par peur que les gens croient que c'est une obligation dans la continuité du mois de Ramadan. C'est-à-dire, la continuité du mois de Ramadan et hop, six jours après. Donc, si les gens ne croient pas que c'est une obligation, les gens, ils savent que le mois d'obligation est terminé. On est dans la... c'est-à-dire le jeûne surrogatoire. Hein? Si les gens savent, donc, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de déconseillé. Alors, je pense que les gens, maintenant, savent que l'obligation, c'est le mois de Ramadan. C'est pas ce qui vient après. Ensuite, oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir rattrapé ces jours avant de commencer les séjours de Shawwal? Est-ce qu'on est dans l'obligation? Pour celui qui a des jours à rattraper. C'est pas une obligation, non. D'accord. On a dit tout à l'heure, il est recommandé de rattraper le plus vite. D'accord. Par contre, on peut poser une autre question. Est-ce qu'il est autorisé d'avoir une double intention? C'est-à-dire, je dois rattraper des jours, mais j'aimerais bien en même temps, c'est-à-dire d'une pierre deux coups. D'accord. C'est-à-dire, en même temps, j'aimerais bien que ce que je devrais rattraper soit parmi les six jours de Shawwal. C'est autorisé, mais il faut que l'intention de rattraper, c'est-à-dire l'obligation, prime sur le surrogatoire. D'accord. C'est autorisé. Mais je n'ai pas la même récompense de celui qui c'est-à-dire qu'il fait des deux. C'est-à-dire qu'il jeûne l'obligation et il jeûne le surrogatoire. D'accord ? Vous avez compris. Alors, sixièmement, le fait de jeûner trois jours de chaque mois. Le fait de jeûner trois jours de chaque mois. C'est-à-dire chaque mois, tu prends trois jours dans le mois, le premier, le quatrième, le sixième, le 29e. Dans les autres écoles, c'est le 13, 14, 15. D'accord ? Dans les autres écoles. Dans l'école malikite, ça s'appelle les jours blancs. Hein, Yom al-Bayd, jours blancs. Mais dans l'école malikite, non. C'est pas le 13, 14, 15. Tu prends n'importe quel trois jours répartis dans le mois, tu les répartis, c'est recommandé de jeûner. Oui ? J'ai combien de temps pour jeûner ces jours ? Tout le mois. Parce qu'il faut que ça soit pendant le mois de Shawwal. Le mois qui vient après Ramadan. Donc tu as tout le mois. Une fois qu'il a terminé, on n'est plus dans Shawwal, on est dans un autre. Septième point, il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Pardon, excusez-moi. Il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, Ya Rasulallah, pourquoi jeûnes-tu le lundi? C'était quoi sa réponse? Je jeûne le lundi parce que c'est la journée dont je suis né. Donc, en quelque sorte, il fête sa naissance. Il remercie Allah. D'accord. D'accord. Et même Souyut, ils disent que c'est une façon de fêter le Maoulid. Donc, tous les lundis, fête Maoulid. Qu'est-ce qui voulait poser une question? Oui. Faut jeûner trois jours consécutifs ou peu importe Non. Peu importe. Pas forcément consécutif. Mais ça peut être un dimanche, par exemple? Oui. Oui, ça peut être. Oui, bonne question. Ça peut être un samedi, ça peut être un vendredi, ça peut être un dimanche. Par contre, il est déconseillé de jeûner un jour qui correspond à une religion autre que l'islam. Par exemple, chez les juifs, on va jeûner. C'est-à-dire qu'un musulman va dire, moi je vais jeûner le samedi. En faisant avec les juifs, puisque les juifs, ils jeûnent le samedi. Allez hop, moi je vais... Là, c'est autorisé, mais c'est déconseillé. D'accord? Ou bien, je vais dire, moi je vais jeûner le vendredi, puisque c'est une journée spécifique pour les musulmans. Vendredi, c'est une journée spécifique pour les musulmans. Hein, c'est une journée de la prière, etc. Puisque c'est une journée spécifique, alors là, moi je vais la jeûner. Elle ne fait pas partie de la sunna. Ce n'est pas recommandé. Donc c'est déconseillé de voir cette intention. Par contre, si je jeûne comme ça,
et ça tombe le samedi, ou bien ça tombe le vendredi, ou ça tombe le dimanche, pas avec cette intention de spécifier le jour, c'est autorisé. Il n'y a pas de déconseil. Au contraire, c'est recommandé. C'est ça la question. Et il y a juste une chose, c'est la veille du Ramadan. C'est interdit de jeûner. La veille du Ramadan, c'est interdit de jeûner si je jeûne cette veille-là, cette journée, dans l'intention de, par précaution. Peut-être c'est le premier jour du Ramadan. Si c'est par précaution, c'est interdit. C'est même interdit. Si ça tombe parmi les jours où j'ai l'habitude de jeûner, moi j'ai l'habitude de jeûner chaque lundi, chaque jeudi, et ça tombe la veille de Ramadan, c'est pas interdit. D'accord? Tout dépend de l'intention. Alors il est fortement recommandé aussi de jeûner le jour de la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire le mois avant Ramadan, le 15e jour, d'accord? Nisf Sha'ban, 15e jour, c'est-à-dire que c'est fortement recommandé. Parce que c'est une journée très bénie, etc. Il y a beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 15e jour de Sha'ban. Le 15e, c'est-à-dire la moitié de Sha'ban. 15e jour. Alors, une femme qui veut jeûner un jeûne surrogatoire, quand même, il faut qu'elle parle avec son mari. C'est-à-dire, elle veut jeûner, elle doit parler avec son mari, demain je vais jeûner. D'accord. C'est pas qu'il n'a pas le droit de lui interdire, hein. Juste elle le tient au courant. D'accord. Elle le tient au courant. Moi j'ai beaucoup pensé à cette question, vous avez raison de la poser. Vous avez entendu la question de la sœur? Elle a dit, et inversement, est-ce que le fait que l'homme qui veut jeûner, on n'a pas dit que la femme, elle doit, on a dit, c'est-à-dire, elle devrait, mais j'ai pas vu les fuqaha dire le contraire. J'ai pas vu les fuqaha dire que l'homme, c'est-à-dire, il lui est recommandé aussi de dire à sa femme que demain je vais jeûner. Je me suis beaucoup posé cette question, pourquoi une femme devrait, pas devrait, mais bon, doit, pas l'homme. Je pense, ça reste un avis personnel, hein, moi je pense que c'est vice-versa. Moi je pense que c'est vice-versa. Parce que je vois pas de... Parce que la question de pourquoi une femme devrait, c'est-à-dire que une femme, imaginons cet homme-là, il a besoin il a besoin d'avoir des rapports avec sa femme. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle le protège, etc. etc. Elle aussi. Je vois pas cette femme, elle est aussi, c'est un être humain. Elle a, d'accord. Donc, allez, on va dire que c'est la même chose. Tout à l'heure, vous m'avez dit, le cas d'une femme qui a ses règles, pendant la journée où elle jeûne, elle doit obligatoirement rattraper cette journée-là. Oui. Mais si c'est au cours d'un jeûne surrogatoire, enfin un jeûne recommandé, elle a fait l'intention de jeûner ce jour-là. Oui. Et pendant ces journées-là, voilà, c'est vrai que c'est délochi, etc. Oui. Est-ce qu'elle doit rattraper cette journée-là? Quelle journée? La journée de jeûne recommandée. Le jeûne recommandé, il reste un jeûne recommandé. Ce n'est pas une obligation. Mais dès le moment où elle a commencé? Non. C'est pas grave. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, justement, c'est une question. C'est-à-dire, tu as l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Supposons, j'ai l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Ce jeudi-là, je ne veux pas jeûner. Il n'y a aucun souci. Non, si j'ai commencé à jeûner la journée, justement. Ah, là par contre, si j'ai commencé à jeûner la journée, ça devient une obligation. Je dois, c'est-à-dire, imaginons, c'est-à-dire, toute adoration qui n'est pas obligatoire, si on la commence, elle devient obligatoire. Okay. Une prière, un jeûne, etc. D'accord? Une prière, je rentre dans la mosquée, Allah Akbar, commence une prière. Dans la première rakat, je dis, bof, alors, salam alaykoum, moi je ne vais pas prier. Non, elle devient obligatoire, ce que tu l'as commencé. Le jeûne aussi, il devient une obligation. D'accord? Donc, si elle a eu ses règles au moment, elle doit le rattraper. Bonne question. Alors, qu'est-ce qui est déconseillé pendant le jeûne? On a terminé ce qui est recommandé, maintenant ce qui est déconseillé. Alors, tout ce qui est préliminaire entre l'homme et la femme, il est déconseillé
Il est déconseillé si on est sûr qu'il n'y aura rien qui sort du sexe de l'homme, de l'homme ou de la femme. Quand l'homme ou la femme ont des désirs, il y a des liquides qui sortent, d'accord. Si, il va embrasser par la bouche sa femme et que rien ne sort, il est déconseillé. Mais s'il sait à l'avance qu'il y aura un liquide qui va sortir, il lui est interdit. Et s'il y a un liquide qui est sorti, ça annule son jeûne. Quelqu'un qui a touché sa femme ou une femme qui a touché son mari, etc., dans l'intention de désir, etc., et qui a un liquide qui est sorti, donc celle ou celui qui a ce liquide-là qui est sorti, son jeûne n'est plus valable. Mais attention, son jeûne n'est plus valable. Il doit le rattraper, ou elle, mais il n'a pas le droit de casser son jeûne, d'aller manger, ou de dire, il y a le liquide qui est sorti, je vais manger. Non. Tu dois rester. C'est-à-dire, tu t'abstiens de manger, mais tu vas le rattraper. Ça, c'est dans l'école malikite. Hein. Contrairement à l'école hanafite, le liquide qui sort n'annule pas le jeûne. D'accord. Okay. Il est déconseillé. Vous savez, pendant le ramadan, quelqu'un qui prépare, comment on fait, surtout les femmes qui préparent, shorba, tout ça, machin, on ne sait pas s'il est salé, il n'est pas salé, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on goûte, hein. On goûte, mais pas pour manger. On met juste dans la langue, ensuite on crache. Ça, il est déconseillé. Hein? Il est déconseillé de goûter. Mais quand il dit qu'il est déconseillé, est-ce que ça annule le jeûne? Non, c'est juste déconseillé. D'accord. Il est préférable de ne pas le... Peu importe. Hein. Mais pas trop de sel et puis c'est tout. Alors, il est déconseillé aussi de faire les hijama. Hijama, vous savez, avec les ventouses, tout ça, comme pour ceux qui ont une technique pour enlever du sang. Donc, il est déconseillé d'utiliser ça. Pas pour les gens malades. Hein. Quelqu'un qui est malade, il va faire des analyses de sang, ça, c'est autre chose. Il est malade, il va faire les... Ça n'annule pas le jeûne. On enlève du sang. Ou bien tu fais une piqûre, tout ça, machin. On parlera de tout ça, ce qui annule le jeûne. Ça, c'est pas ça. On parle de la hijama. La hijama, c'est des spécialistes. Beaucoup de gens, ils font la hijama aujourd'hui. C'est pas des spécialistes. Faites attention. Il y a plein de charlatans. Ils te disent, viens, je vais te faire. Déjà, on ne sait même pas avec les lames, ils l'utilisent, ils ne sont pas désinfectés, etc. Donc, c'est une technique prophétique. Il faut que ce soit des spécialistes. Voire même des médecins. Imagine quelqu'un, il va avoir une hémorragie ou quelque chose comme ça. Il y a des gens, ils leur enlèvent du sang de la tête, machin. Il y a des endroits spécifiques, il y a des façons, etc., pour enlever ce sang-là. Donc, c'est déconseillé d'utiliser hijama pendant le ramadan. Alors, il est déconseillé aussi de spécifier. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit qu'il est recommandé de jeûner 3 jours du mois. On les répartit pendant le mois. Mais si tu dis ce sont les 13, 14, 15, il est déconseillé. C'est-à-dire, il ne faut pas les dire. Dans les autres écoles, ils disent c'est le 13, 14, 15. Dans l'école malikite, non, il faut les répartir. C'est-à-dire, si tu les spécifies 13, 14, 15, c'est déconseillé. Il est déconseillé de commencer de jeûner un jeûne surrogatoire avant le jeûne obligatoire qu'on doit rattraper. Donc il doit rattraper des jours obligatoires et lui dit bon, moi je vais jeûner. Comme si quelqu'un il est endetté, il va donner l'aumône aux pauvres. Ben, commence déjà par payer tes dettes. D'accord. Il est juste déconseillé, hein, ça, c'est autorisé. Donc, il est déconseillé aux jeûneurs de se parfumer. Donc, la question du parfum, c'est pas interdit, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, c'est question du parfum. Alors, mieux discret soit-il, c'est bien. D'accord.
Alors, est-ce que le parfum annule le jeûne? Le parfum n'annule pas le jeûne. Sauf si c'est un parfum tellement il est fort, on le sent dans la gorge. Je me parfumais et il est tellement fort, je l'ai senti dans la gorge. S'il est tellement fort que je l'ai senti dans la gorge, là, je dois rattraper mon jour. Et à condition que c'est moi qui l'a fait. Je ne peux pas passer devant quelqu'un qui l'a... pas ma faute. Il s'est parfumé tellement que je suis passé à côté de lui, c'est pas ma faute. C'est quelqu'un qui, lui, s'est parfumé tellement fort qu'il l'a senti dans la gorge. Là, il doit rattraper son jour. Oui. La question du parfum, c'est il est déconseillé pour les hommes et les femmes ou uniquement pour les... Pendant Ramadan ? Oui, pendant Ramadan. Oui, il est déconseillé pour les hommes et pour les femmes, mais les fouqaha disent pour les femmes, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, même en dehors de Ramadan, une femme... les féministes, ils vont me dire, c'est quoi cette ségrégation d'ailleurs ? Et bien que je suis d'accord avec eux sur ce point... Parce que bon, une femme qui va mettre un parfum tellement puissant, tellement attirant que un homme qui il marche dans la rue, il se rend pas compte, ça va, il va se retourner parce que le parfum il est tellement. C'est la même chose hein, pour un homme. Hein, s'il met un parfum tellement puissant, machin, etc. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein. Il n'est pas interdit en dehors du Ramadan pour une femme de mettre du parfum. Non. C'est pas interdit de mettre ni pendant Ramadan. C'est-à-dire la question pendant Ramadan, c'est d'éviter de, c'est-à-dire qu'il soit fort de, voilà. Non, on se parfume. Hein. N'écoutez pas les gens qui vous disent c'est interdit parfum machin etc. Non, c'est pas interdit. Le qul man harrama zinatallah, c'est quelque chose de bien le parfum. C'est quelque chose de bien, c'est pas. Ensuite, on va dire oui, il y a un dosage d'alcool. Pas de dosage d'alcool dans le parfum, c'est des molécules qui sont changées. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un aliment où vous avez de l'alcool dans ses ingrédients et un aliment qui a été fabriqué, c'est-à-dire l'alcool, c'est pas qu'il est dessous, c'est qu'il n'y a plus de molécules d'alcool. Les chimistes nous expliquent cela. Il n'y a plus de... D'accord. On n'est plus, il n'existe plus. C'est comme le vinaigre. Vous avez le vinaigre d'alcool. Vous connaissez le vinaigre. Vous avez, des fois, quand vous allez voir, c'est vinaigre d'alcool. C'est autorisé parce qu'il n'est plus alcool. Sa molécule, mais si vous l'amenez ça à un chimiste, déjà, est-ce qu'il y a la molécule d'alcool? Non, il n'y a pas. Il s'est transformé. Il n'est plus dans son état d'alcool. La même chose pour le parfum. D'accord. Par contre, la nourriture, non. La nourriture, la molécule d'alcool, elle est là. D'accord. Vous avez compris. Ça ne se vaporise pas. Hein. Même si ça se vaporise, on nous dit que ça se vaporise, mais c'est-à-dire il l'a touché. Le fait qu'il l'a touché, ça, par exemple, il va tailler vers la nar, ça reste interdit. Ça reste interdit. Alors, qu'est-ce qui est ma yuharram fi ssoum ? Qu'est-ce qui est interdit pour le jeûne, ou dans le jeûne ? Je ne sais pas comment on peut formuler. Qu'est-ce qui est interdit dans le jeûne, pour le jeûne ? Il est interdit de jeûner les deux jours de fête de l'Aïd. Jour de fête de l'Aïd. Quels sont les deux jours de fête de l'Aïd? Alors, vous avez le premier jour qui vient après le mois de Ramadan. Une fois que le mois de Ramadan termine, le premier jour du mois qui vient après, c'est l'Aïd, c'est la fête. D'accord? C'est un jour. Et deux mois après, ce qu'on appelle la fête du mouton. D'accord? Fête du mouton. Aïd al-Adha, d'accord. D'accord. Donc Aïd al-Adha aussi, une journée, ce sont les deux fêtes de l'Aïd. C'est interdit de jeûner ces deux jours-là. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de jeûner. D'accord. Il est interdit de jeûner à vie. C'est quelqu'un qui va jeûner toute sa vie. Allez hop. Toute sa vie. Tous les jours, il jeûne. C'est interdit. Alors, le meilleur jeûne, le professeur Hassan, on lui a dit, quel est le meilleur jeûne? Il a dit, le meilleur jeûne, c'est le jeûne du grand prophète David, Daoud. Une journée, il jeûne, une journée, il ne jeûne pas. Une journée, il jeûne, une journée, il ne jeûne pas. Une journée, il jeûne, d'accord.
Le prophète a dit c'est le meilleur jeûne. D'accord. Il est interdit de casser son jeûne en ayant un doute que le coucher du soleil est rentré. C'est pas tout le monde qui a un calendrier, c'est pas tout le monde qui a... Il est là, il est en train de regarder. J'ai jeûné aujourd'hui, mais le coucher du soleil, le soleil s'est couché, c'est pas couché. Bon, allez, on va dire qu'il s'est couché. Hein. Il sait même pas. Il est allé manger. C'est interdit. C'est interdit. Au moins tu vois un calendrier, au moins tu te renseignes, quoi, tu fais un effort, tu regardes, tu fais un effort. S'il n'a fait aucun effort, il s'est dit, ça me rappelle une histoire vraie, hein. Deux vieux du bled. Les vieux du... Avant, ils ont ni réveil, ils n'ont rien du tout. Ils se réveillent comme ça. Pour eux, tant qu'il fait nuit, on peut faire le suhoor. C'est-à-dire, le jour ne s'est pas levé. D'accord. Tant qu'un vieux, une vieille, un jour, ils ne sont pas levés. Ils sont levés un peu tard. Bon, chez eux, ils sont là, ils commencent à voir sous leur porte, la lumière commence à rentrer. Donc, il dit à sa femme, vite, ramène tous les chiffons pour boucher les trous. Donc, ils ont commencé à boucher tous les trous pour que la lumière, l'essentiel, s'est fait nuit dans leur chambre. Donc, ils ont bouché tous les trous, hop, on peut manger, il fait noir. Une histoire vraie. Hein. Alors, qu'est-ce qui est autorisé pour le jeûneur? Donc, on a vu ce qui est déconseillé, ce qui est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui est autorisé? Donc, il est autorisé d'utiliser siwak. D'accord? Siwak. Siwak, vous connaissez siwak, c'est le bâton, etc. Alors, pour les siwak, vous avez deux genres de siwak. Vous avez un siwak sec. Il n'a pas de... Quand vous le mettez dans la bouche, il n'a pas de liquide. Et il y a d'autres siwak, c'est un peu acidé. D'accord? Donc pendant le mois de Ramadan, il est déconseillé d'utiliser siwak qui est acidé, qui a un liquide. D'accord? Le siwak, c'est bien hein, pour la bouche. C'est vraiment très... Ça nettoie vraiment et c'est bien pour la gencive, etc., etc. Alors, il est déconseillé pour quelqu'un qui a soif pendant Ramadan. Il a soif, il va se rincer la bouche. C'est autorisé, mais c'est déconseillé. C'est juste des conseils. Quelqu'un qui est... il n'a pas les grandes ablutions. On n'a pas les grandes ablutions parce qu'on a eu un rapport, etc. Est-ce que son jeûne est valable? Quelqu'un qui n'a pas les grandes ablutions. Oui, son jeûne est valable. Mais c'est déconseillé pour lui. D'accord? Ou bien quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne fait pas la prière. Alors, il ne fait pas la prière. Est-ce que son jeûne est valable? Ça n'a rien à voir. Son jeûne, juridiquement, il est valable, il remplit les conditions. Bon, il commet un péché de ne pas prier, mais on ne peut pas lui dire non. Au contraire, il faut l'encourager. Il faut lui dire, Mashallah, c'est bien, c'est très bien que tu jeûnes, c'est extraordinaire, etc. Tu es quelqu'un de bien, il te manque juste si tu fais la prière. C'est-à-dire, il faut l'encourager, il ne faut pas lui dire, de toute façon, tu jeûnes pas, toi tu ne fais pas la prière, bah, ah ben, il ne va plus jeûner. Au lieu de l'encourager à faire la prière, il a le jeûne, on va lui enlever. C'est pas bien. Il faut encourager les gens à avancer. Donc... Pardon, là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est autorisé? Pour le pardon, j'ai dit une bêtise. Pour il est autorisé pour celui qui a soif de se rincer la bouche. On est dans l'autorisé. Hein, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il est déconseillé. Non, c'est autorisé. C'est autorisé.
J'ai dit n'importe quoi. Par contre, vous avez parlé de ceux qui devaient faire le... qui étaient en grande impureté au moment où... Oui, celui qui a une grande impureté, c'est-à-dire son jeûne, il est valable. Par contre, il commet un déconseillé. Mais son jeûne, il est valable. D'accord. Alors, quelqu'un qui a peur, qui est malade, quelqu'un qui est malade et qui a peur, il a peur que sa maladie, que son jeûne retarde sa maladie ou l'aggrave, il a peur, juste peur. Il lui est autorisé de ne pas jeûner. Par contre, s'il est sûr que s'il jeûne, sa maladie sera retardée ou elle va être aggravée. Il y a une différence entre il est sûr ou il a juste peur. Là, il lui est autorisé de ne pas jeûner s'il a peur. Mais s'il est sûr que sa maladie va s'aggraver, il lui est interdit de jeûner. C'est pas il lui est autorisé, il lui est interdit de jeûner. Qui joue avec sa santé. Vous comprenez? Alors, il est autorisé à une femme qui allaite de ne pas jeûner, si elle a peur que le fait de jeûner, ça va pas lui donner du lait, ça va diminuer, il lui est autorisé de ne pas jeûner. Une femme qui allaite. On a dit, mais après, elle doit rattraper le jour et elle doit donner une fidia. D'accord? Fidia, soit pour chaque jour, l'équivalent de 5 euros, ou bien donner à manger à un pauvre, un déjeuner, un dîner. D'accord? Alors, pour la femme enceinte aussi, si elle a peur pour elle ou pour son bébé, il lui est autorisé de ne pas jeûner, mais juste elle rattrape. Mais juste elle rattrape. Si maintenant elle est. Pendant le mois de Ramadan, elle était enceinte. Une fois le mois de Ramadan terminé, elle allait. Pendant toute l'année. Toute l'année, elle arrive à Ramadan qui arrive. Oui. Elle n'a toujours pas rattrapé. Oui. Donc elle doit rattraper après Ramadan terminé, de nouveau. Donc elle doit toujours rattraper, mais sauf que elle n'est pas dans l'obligation de payer ou de faire donner à un pauvre parce que c'était pas une négligence de sa part parce qu'elle allaitait. C'est ça la question. Ouais, c'est ça. Mais si elle allait 2 ans de suite, ça veut dire ça fera 3 ramadans qu'elle n'a pas rattrapé. C'est pas grave. Comment elle rattrape après? Elle rattrape quand elle peut. C'est-à-dire qu'elle doit rattraper les 3 mois de jeûne plus payer pour chaque jour. Elle paye pas. Du moment que c'est pas, elle n'a pas retardé par négligence. C'est-à-dire celui qui paye, c'est la négligence. D'accord. Donc si c'est 3 ans, elle doit rattraper 90 jours, c'est ça? Oui. Oui. Donc elle essaie de les répartir. Si elle voit que... elle voit que c'est pas possible. C'est-à-dire c'est une femme qui... De toute façon, elle est fatiguée, elle peut quelques jours seulement. Elle pourra impossible. Donc les autres jours, elle paye pour les jours. Chaque jour, elle donne à manger, c'est-à-dire pour chaque jour. Alors la question, on va traiter la question de celui qui, pendant des années, n'a pas quelqu'un, c'est un musulman, mais il était dans l'insouciance. Il n'a pas jeûné pendant 20 ans. Et pour chaque jour, tu as 60 jours. Allez, fais la multiplication. La calculatrice, elle va être fatiguée. Donc, celui-là, on va pas lui dire, on va lui dire juste rattrape. On va pas lui dire pour chaque jour. Alors imaginez déjà un mois. Donc 60 multiplié par 30. Ça fait combien? Quelqu'un qui a une calculatrice. 1800. Combien? 1800. 1800. Alors pour chaque mois, il a 1800, t'es sûr? C'est ça? C'est moins que ça, je pense. 60 fois 30. 1800. Oh là là. C'est déjà un mois, il a 1800 jours. D'accord? Imagine 20 ans. 20 ans fois 1800. Il doit jeûner 2 siècles. Là. Donc celui-là, on va lui dire, tu rattrapes les jours que tu n'as pas jeûné. D'accord? C'est beaucoup déjà. D'accord?
Donc il rattrape ce qu'il peut. Et il donne des sadaqat. D'accord ? Quelques ulama ont dit, si ça devient très dur pour lui, il doit se repentir et il fait la niya de jeûner les lundis et les jeudis. D'accord ? Ça va le... Mais on nous a interdit de... Il faut... C'est pour ça que celui qui répond aux questions juridiques, il faut qu'il prenne en considération l'état de celui qui pose la question. Imagine quelqu'un qui n'a pas jeûné, qui n'a pas prié pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, c'est quelqu'un qui revient de loin. On est bien d'accord. C'est quelqu'un qui était ailleurs. Il était, je connais des gens. Il était où celui-là qui n'a pas jeûné 20 ans? Il est vraiment out. Alors il a fait le pas de revenir vers la religion. C'est comme si c'était ping-pong. Tu vas le frapper avec une réponse. Il va repartir. Donc il faut lui faciliter la question. Pas lui dire, ouh là là, de toute façon, toi c'est foutu, hein, tu as 2000 ans à rattraper, non. Faut lui dire, mashallah, c'est bien que tu es revenu voir la pratique, etc. Il va dire, mais j'ai énormément de jeûne. Je lui dis, c'est vrai, point de vue juridique, mais inshallah, déjà, commence par jeûner avec les musulmans aujourd'hui comme ils jeûnent, etc. Et rattrape doucement ce que tu peux. Par exemple, les lundis, le jeudi, de temps en temps, tu jeûnes. Une fois qu'il commence, déjà le jeûne, il arrive à jeûner avec tout le monde. Une fois que ça devient une routine pour lui. Ensuite, il va jeûner les lundis et le jeudi comme il peut. Ensuite, il rattrape ce qu'il peut, doucement, doucement. Donc, il ne faut pas charger la personne dès le premier jour plus que ce qu'elle peut porter. La chose la plus importante, il faut faire aimer à la personne, à goûter, à savourer l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, la personne, elle fera les choses d'elle-même. Elle les fera par amour. Vous comprenez? Donc on n'a pas le droit de jeter comme ça les textes juridiques sur des gens sans prendre en considération leur état spirituel ou le cheminement. Non. Qu'en est-il du nouveau converti? Converti, non. Le converti, il n'a rien à rattraper. En fait, non, ma question... Oui, dis-moi. Qu'en est-il du nouveau converti qui, par exemple, commence, il vient de se convertir cette année, oui. Et les jours sont très longs. Et pour lui, c'est un peu dur. Est-ce que, quelle est la vie juridique par rapport à ça? C'est une bonne question. La même chose. Tu ne peux pas, quelqu'un qui tout dépend, il y a des gens qui peuvent, hein. Il y a des gens qui ils sont tellement dans une... Les gens qui se convertissent, il est tellement dans un nouveau état spirituel qu'il est dans. Il a peut-être plus que nous, qui sommes là dans la religion depuis des années. Et il a tellement spirituellement qu'il veut faire, même bien qu'ils sont fatigués, etc. Et qu'il veut le faire. Qu'il veut jeûner, il veut ceci, cela. Il se porte bien, il peut le faire. Par contre, tu as des gens, ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire physiquement et on le voit, des gens qui n'ont jamais jeûné. Ils n'ont jamais jeûné. Et s'il jeûne, Mskin, à 15h, il va mourir. Il va sentir qu'il est... Non, l'islam n'est pas venu pour torturer les gens. On va lui dire, va doucement. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'obligation de... D'accord, il fait des petites expériences, il va jeûner jusqu'à midi, ensuite il va jeûner jusqu'à 15h, s'il peut, d'accord. Il faut qu'il soit bien entouré, encouragé, etc. Pas le laisser comme ça à l'abandon. Une famille musulmane, elle est prise en charge. Hein. C'est tout le monde qui jeûne. Donc le papa, les enfants, les machins, etc. Tous, ils sont entourés, ils peuvent dormir. Etc. Lui, il est seul. Il a tout son entourage qui font la fête toute la journée. Ils sont là. Et lui, le seul à ne rien manger. Donc c'est dur. Donc il faut vraiment accompagner les nouveaux convertis. Vraiment, vraiment, il faut un bon... chose qu'on n'a pas dans notre communauté, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Rarement. Moi, je dis toujours, pendant le ramadan, c'est un mois de partage. Même si c'est des anciens convertis. C'est des gens qui vivent seuls. D'accord? Ils ont leur famille, qui sont... Les musulmans, en général, c'est-à-dire que c'est un mois de partage, même s'il faut inviter les non-musulmans à partager, c'est-à-dire le repas de iftar au coucher du soleil, même s'il n'a pas jeûné, même si ce n'est pas un musulman, pour leur faire sentir cette chaleur qui, malheureusement, n'existe plus dans la société d'aujourd'hui, qui est devenue une société individualiste,
matérialiste et que chacun ne pense qu'à son ventre, qu'à sa poche et qu'à soi-même. Que l'islam, c'est-à-dire, t'apporte, c'est une religion qui t'apporte la chaleur familiale. Et que la famille n'est pas seulement tes parents, tes frères et tes sœurs, c'est la communauté aussi. Il faut que les musulmans, convertis ou pas convertis, vous avez des gens qui sont pas, c'est des musulmans, mais ils sont pas bien dans leur famille, ou bien ils sont divorcés ou solitaires, etc. Il faut qu'on pense aussi à ces gens-là. C'est-à-dire, c'est le mois où on doit quand même tisser c'est-à-dire les liens familiaux et essayer de... moi, je dis toujours aux sœurs qui sont seules ou bien qui sont dans des familles, rencontrez-vous dans ce mois-là, préparez des repas ensemble. Ça renforce un peu les liens. Quand on a toute une après-midi, ça nous occupe. Hein, ça nous occupe. Moi, je fais la cuisine. Hein, je me rappelle, c'est-à-dire, on était jeunes, on faisait la cuisine toute l'après-midi, ça nous occupe. Hein, c'est-à-dire, on est 16, 6, 8, 9, 10, on répare pour centaines de personnes. Chacun fait un petit truc, machin, on ne se rend pas compte jusqu'à le marabout est rentré. Donc, ça renforce les liens, ça permet de partager, etc., etc. Donc, c'est un mois un peu, on va dire, spécial et renforce les liens, etc., etc. Vous comprenez? C'est important quand même. Là. On en est où? Qu'est-ce que j'ai dit? Autorisé pour la femme qui allaite. Voilà. Donc, la femme qui allaite et on a dit la femme enceinte, etc., etc. Et aussi le vieux, un vieux qui ne peut pas jeûner, si ça met en péril sa santé, il est dans l'obligation de ne pas jeûner. Et s'il a juste peur, il est autorisé, lui est autorisé. Est-ce qu'il est dans l'obligation de rattraper? Donc un vieux. Est-ce qu'il est dans l'obligation de rattraper? Il ne peut pas rattraper. Est-ce qu'il est dans l'obligation de payer pour chaque jour? Non, il lui est juste recommandé. D'accord? Il lui est recommandé de donner à manger pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Juste recommandé. Le même cas pour celui qui a une maladie, comment dire? Hein? À vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est chronique. Il a un diabète, il a de la tension, etc. C'est tout le temps. C'est une maladie qu'il a jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas une obligation pour lui de... C'est pas une obligation pour lui de payer pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. C'est juste recommandé. D'accord? Donc non seulement il ne jeûne pas, il dit moi je ne jeûne pas, et je ne paye rien du tout. C'est autorisé. Ce qui n'est pas... Parce que le ramadan pour lui, il n'est pas une obligation. C'est juste une recommandation. Comprenez? Ah, les petites maladies, il est dans l'obligation de rattraper. Il paye. Celui qui a une petite maladie et qu'il a mangé, il doit payer pour chaque jour. D'accord. Si, voilà. Si c'est une maladie qui... Donc les fouqaha, ils ont dit... ouais, c'est ça. Par exemple, s'il n'a pas, il n'a pas, celui qui paye, c'est celui qui a une maladie, elle n'est pas à vie, mais qui dure quand même quelques années. Celui-là, il peut payer sans rattraper le jeûne, puisque ça dure quelques années. Mais il sait que, de toute façon, d'ici 3 ans, il sera en bonne santé, etc. Mais là, il paye. Il dit, d'accord. De façon globale, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quand est-ce qu'on doit payer et quand est-ce qu'on ne doit pas payer. Oui. Est-ce que c'est de réexpliquer juste la limite, en fait? Quand est-ce que, si on a manqué un jour, on doit payer et quand est-ce qu'on devrait payer? Le cas du malade. Non, le cas général, en fait, malade ou pas malade. Alors, le cas de celui qui a une maladie chronique. Maladie chronique. Comme un vieux. C'est fini, ça, il est vieux. Qui ne peut pas. Celui-là, il n'est pas dans l'obligation de payer. Il doit juste... il lui est recommandé de payer pour chaque jour. On est bien d'accord. Très bien. Pour celui dont la maladie, comme la femme qui allaite,
D'accord ? Ou bien il a une maladie qui n'est pas chronique. D'accord ? Celui-là, il est malade, mais ce n'est pas une maladie à vie. Mais il sait qu'un jour il va guérir, il pourra rattraper. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va guérir. Donc il lui est autorisé de payer. Mais il est dans l'obligation de payer. Mais il ne rattrape pas, puisqu'il est malade. Mais ce n'est pas une maladie qui est dure. Donc il ne rattrape pas, juste il paye. C'est clair ? Alors, celui qui voyage, on a dit c'est autorisé pour un voyageur de ne pas jeûner. C'est autorisé. Mais avec des conditions. Premièrement, il faut qu'il ait atteint les 82 km, bon, 80 km minimum. 30 km, non, 50, non, 60, non, 70, non, 80 minimum. Dans la journée. Hmm? Dans la journée, les 80 km. Dans la journée. Le trajet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait qu'un trajet de 30 km dans la journée, il n'est pas considéré comme... Alors, je ne sais pas, la question de dans la journée, je ne l'ai pas bien compris. Par exemple, quelqu'un qui habite en banlieue et qui fait 40 allées, 40 retours. C'est pas considéré. C'est ça, par exemple. Non. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit direct. Non, mais par exemple, je voyage jusqu'à Médine, et je fais 30 km dans la journée. Par exemple, je vais... Si je fais, par exemple, le tour des villes. D'accord. Je suis sorti à 8 heures d'une ville à une autre, 20, ensuite j'ai fait 30, ensuite j'ai fait 50, et à la fin, j'ai fait 80. Oui, c'est considéré comme un voyageur. Mais ce n'est pas aller-retour. D'accord. Ce n'est pas aller-retour. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple banal. Un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi, il est à Paris. S'il compte ce qu'il a fait combien dans la journée, peut-être qu'il a fait 150 km. Non, il n'est pas considéré comme un voyageur. Parce qu'il est en train de tourner. On parle de celui qui va... Par contre, si c'est un chauffeur de taxi qui fait un voyage, il a une course Paris-Lyon. Il a fait 600 km. C'est un voyageur. S'il a Paris 3, plus de 100 km, c'est un voyageur. D'accord. Mais aller à Charles de Gaulle, revenir à Paris. Charles de Gaulle, Paris. Non, ça, ce n'est pas un voyageur. Comprenez ? Donc, première condition, il faut que le trajet dépasse les 80 km. Deuxième condition, il ne faut pas qu'elle soit un voyage de... Il faut qu'il soit un voyage halal. Enfin, il va à Marseille, mais pour voler. Il y a des voyageurs, il y a des touristes intéressants qui vont venir du Japon. Oui, mais bon, c'est plus de 500 km. Hein, parce que moi, je vais... Non, ce n'est pas autorisé. Il faut que ça soit quelque chose de... autorisé dans le voyage. Troisièmement, il faut qu'il commence à ne pas jeûner une fois qu'il a entamé son voyage. C'est-à-dire s'il part par voiture, train, etc., il faut qu'il sorte de l'agglomération où il habite. Si c'est un avion, il faut que son avion a déjà décollé. Si c'est avant, il reste jeûné, il jeûne. Donc il commence à manger une fois qu'il sort de c'est-à-dire il est sorti de la ville où il habite. D'accord. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Maintenant, qu'est-ce qui annule le jeûne? Premièrement, le fait de ne pas avoir eu l'intention de jeûner. Nous avons dit que les actes ne sont valables qu'avec l'intention. On a dit qu'en islam, tout est une question de cœur. Tout est une question d'intention. Hein? Quelqu'un, il a fait une erreur, il dit, moi, j'avais pas l'intention. Hein? Pas l'intention de le renverser. Même dans la vie de tous les jours, l'intention. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu l'intention, son jeûne n'est pas valable. Deuxièmement, tout ce qui arrive à l'estomac à travers la bouche annule le jeûne. Tout ce qui arrive à l'estomac à travers la bouche annule le jeûne. Et si c'est fait d'une façon volontaire, c'est une expiation de 60 jours.
C'est-à-dire, on a désacralisé le moi. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai cassé mon jeûne exprès. Volontairement, j'ai bu de l'eau. Volontairement, sans aucun alibi. Voilà, c'est pas parce que je suis fatigué, malade, etc. Non, non, non. Ça lui a chanté, il est revenu le matin. Moi, allez hop, je vais prendre un café, laissez-moi tranquille. Et Ada, il faut 60 jours pour chaque jour. Si c'est à travers la bouche qu'il a. Par contre, pourquoi la bouche? Parce que c'est là qu'on goûte, c'est là qu'on mange. C'est pas à travers l'oreille ou le nez. Par contre, s'il a fait rentrer quelque chose à travers le nez, ou les yeux, ou l'oreille, et que ce médicament, volontairement ou involontairement, il l'a utilisé, et qu'il a senti dans la gorge, hein, ce liquide-là, s'il l'a utilisé après le fajr, après la prière de sobh, s'il l'a utilisé après, là, il doit rattraper ce jour. D'accord ? Il doit le rattraper. Il continue à le jeûner, mais il doit le rattraper. Par contre, s'il a utilisé ce liquide-là, avant le fajr, la nuit, les gouttes dans les yeux ou le nez, etc. Et après le fajr, lui, il a utilisé ces gouttes-là, ce médicament-là, avant le sobh. Mais c'est au cours de la journée, après le sobh, qu'il l'a senti. Celui-là, il ne rattrape pas. Donc celui qui rattrape, c'est lui qui a utilisé les médicaments après le sobh. Est-ce que vous comprenez ? Et deuxième chose, on parle de celui dont le médicament est momentané. On ne parle pas de celui qui a un médicament à vie. D'accord ? Celui qui a un médicament à vie et qu'il doit le prendre, c'est-à-dire la journée, celui-là, il rattrape. Parce qu'il est dans l'obligation de l'utiliser la journée, dans son oreille, dans son nez, etc. Ça, il y a des gens qui ont un problème ophtalmologique. La journée, il faut qu'ils mettent des gouttes, etc. De toute façon, il n'a pas besoin de manger, mais c'est des gouttes obligatoires. Celui-là, non, il n'est pas dans l'obligation de rattraper. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il voulait poser de question? Je dis le déodorant, en fait, des fois, dans le temps de déodorant, ça fait. On l'aspire tout ça. Mais on ne peut pas l'éviter. Est-ce que ça rend le jeûne? La même chose. Si on l'a senti fort dans la gorge, on rattrape. Si on ne l'a pas senti, on rattrape. C'est la même question. Il y a un médicament qui se prend à vie ou qui se prend par la bouche. Alors, il y a une discussion entre les ulama sur la question de... Alors, tu as par exemple les asthmatiques. Ils prennent... comment ça s'appelle? Hein? Ventoline. Alors, les ulama, ils ont dit, si on a un médicament à vie... Par exemple, la pompe, c'est à vie. Ou bien, j'ai vu des ulama ont autorisé quelqu'un qui a un comprimé obligatoire à vie, un ou deux, la journée, et qui ne peut le prendre qu'avec une gorgée d'eau. Ils ont dit, c'est autorisé. Il prend ce comprimé-là avec sa gorgée d'eau, il est jeûneur. D'accord? Puisque ça, de toute façon, il est en bonne santé, etc., il peut jeûner. Mais il ne peut pas rattraper puisque c'est tous les jours. Ou bien la pompe. Donc ça, c'est... On appelle ça fiqh nawazel, c'est des cas exceptionnels de fiqh d'actualité. Il peut jeûner sans problème. D'accord. Excusez-moi. Pour le dentifrice, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Moi, j'ai vu des fatwas, je respecte, de chouyoukh, hein, des amis, etc., qui autorisent cela. Ils ont dit, tu utilises le dentifrice la journée, puisque de toute façon, tu vas travailler dans l'administration, etc., etc. Surtout s'il est dans la communication, etc., ils vont sentir mauvaise haleine. Moi, je respecte cet avis-là. Ils ont dit, il faut bien juste rincer la bouche, etc., et c'est bon. Je respecte, mais je ne suis pas d'accord de cet avis. Les ulama chez qui on a appris, ils ont dit non. Ça annule. Parce que le dentifrice, quand même, c'est quelque chose de puissant. Il laisse un peu un goût, il laisse quelque chose dans la bouche et on ne peut pas toujours, toute la journée, passer son temps à cracher. Donc le mieux, c'est l'utiliser, une fois qu'on a mangé au sohor, d'accord, avant salat al-fajr, et ne plus l'utiliser. Cela dit, il y a un avis qui dit que c'est autorisé. Moi, je respecte cet avis-là. Mais mon avis personnel, et ceux des chouyours qui m'ont appris, c'est ça annule. D'accord. Je vous conseille,
Non, c'est dans le cours qu'on apprend, nous, ça annule. Ce n'est pas déconseillé. Mais étant donné qu'il y a une fatwa qui dit que... Le fatwa n'incombe que ceux qu'il... Moi, je ne peux pas dire que c'est déconseillé. Moi, je dis que c'est interdit. Mais les gens qui disent que c'est déconseillé, je ne veux pas leur... C'est-à-dire m'acharner sur eux, ce que je veux dire. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui étudie cette fatwa, il me dit, moi, je l'applique, puisqu'il y a des chouyours qui ont des autorisés. Je ne vais pas lui dire, toi et tes chouyours, allez hop, vous êtes des gens en dehors de l'islam. Non, non, je respecte. Il est dans le cadre de... C'est respectueux. C'est-à-dire, vous avez le choix, en quelque sorte. D'accord. Alors, si vous appliquez, vous voyez, vous êtes dans des circonstances où la personne, c'est-à-dire, elle a une réunion, etc., elle doit parler... Elle a une porte de secours, il y a des gens. Sinon, dans mon cours, c'est interdit. Vous avez compris? Alors, on a parlé. Alors, on est en train de parler de ce qui annule. Hein. Avoir des rapports, ça annule. Avoir des rapports pendant le ramadan. Non seulement ça annule, mais c'est quelqu'un qui a un rapport, c'est comme s'il a mangé. C'est-à-dire que c'est 60 jours pour chaque journée. Alors, s'il a mangé, il a eu des rapports. Ce n'est pas doublé, hein, c'est une seule journée, 60 jours. C'est-à-dire, soit il fait nourrir 60 pauvres, il rattrape la journée, soit il jeûne 60 jours, plus la journée de rattrapage, soit il affranchit un esclave. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas où il va affranchir un esclave. Hein. D'accord. Hein? Parle d'avoir des rapports la journée. C'est interdit d'avoir des rapports du Salat al-Fajr jusqu'à le Maghreb. À partir du Maghreb jusqu'au Fajr, c'est autorisé. Mais, cher, on s'en fout de manger avant l'adhan ou après l'adhan? Alors, la question de Imsek, quand vous avez le calendrier, il te dit Sobh telle heure, Imsek telle heure, Shurur telle heure. Imsek, c'est une marge de sécurité seulement. D'accord? C'est-à-dire, on s'arrête 5 minutes, 10 minutes avant l'adhan, par précaution. Par précaution. Parce que si je retarde, imagine, je retarde et je tombe avec l'adhan. Je suis tombé. Parce que nous sommes censés d'arrêter de manger avant que le temps de Fajr ne rentre. Donc, par précaution, ils ont fait des calendriers 5-10 minutes avant. Est-ce que vous avez compris? Ça s'appelle imsek. Imsek, ça veut dire s'arrêter. Imsek. S'arrêter de... Pardon, je voudrais un petit peu parler de ce point. Ils disent, ils ramènent le hadith du professeur Assalam, ils disent que si tu es en train de manger quelque chose et que tu entends le avan, continue à manger jusqu'à... parce que tu l'as vu dans ta bouche ou tu as dans ta main, continue. C'est faux. C'est faux. Si tu es en train de manger, de boire et tu entends le avan, tu arrêtes. Si tu as dans la bouche, tu l'enlèves. Exceptionnellement, si on se réveille ou bien on est en train de boire et que la journée fera très 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 chaud et qu'on a très 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 soif, d'accord, je me réveille, là j'ai très 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 soif. Quelqu'un qui s'est réveillé en retard, il a très soif, il entend l'adhan, l'adhan n'est pas terminé et c'est une journée très dure, chaude, là il est autorisé de boire. C'est une exception. Parce que ce qu'il attend, c'est... D'accord. C'est dans ce cas-là seulement. Dans les autres cas, tu n'es pas réveillé, tant pis. Tu n'as qu'à mettre un réveil... Tu as compris. C'est quoi la question? Le fait d'avoir des rapports entre Marlowe et Sauf, ce n'est pas déconseillé? Non. 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 Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Non. Alors... Celui qui volontairement vomit, il vomit volontairement, sans aucune raison. Il a vomi volontairement pendant le mois de Ramadan, sans aucune raison. Il a voulu vomir. Celui-là, il doit rattraper. Parce que... Oui, attendez. J'ai dit, il s'est vomi lui-même volontairement. Ce n'est pas qu'il a vomi. Deux choses différentes. Je n'ai pas dit qu'il a vomi.
J'ai dit, il s'est vomi lui-même, et là, il a rentré sa main et il s'est vomi. Une différence entre il a vomi, il s'est vomi. Il n'a aucun problème, il n'est ni malade, ni rien du tout. Il est là chez lui, il a dit, bof, oh là là, il a commencé à se... Il y a des gens comme ça, hein, et il s'est vomi, sans raison. Celui-là, il doit rattraper cette journée. Si rien n'est revenu dans son estomac, si le vomi, il est sorti, il est revenu, il doit 60 jours. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Si rien n'est revenu, il doit juste rattraper. Si le vomi, il est revenu, il doit 60 jours parce qu'il n'y avait pas de raison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, revenons à celui qui vomit parce qu'il est malade. Ou bien involontairement, ou bien il a mangé beaucoup, etc. Celui-là, c'est involontaire. Il a vomi. S'il a vomi involontaire et que rien n'est revenu, sa journée, elle est valable. Il ne rattrape rien du tout. Parce que ce n'est pas, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle vomit. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle a vomi et rien n'est revenu, sa journée, elle est valable. Si quelque chose est revenu, juste il rattrape. Parce que involontairement. Il y a une différence. Je me fais vomir. C'est-à-dire pour rien. Et celui qui est, il a mal ou quelque chose, il a vomi pour une raison valable. Donc les ulama, ils font la différence. Donc on a dit la femme qui a ses règles ou la femme qui a l'éloshi, elle ne jeûne pas, on l'introduit aussi. Celui qui sort de l'islam, donc son jeûne n'est plus valable. Il est musulman, il a jeûné à 10h du matin, il a des... Oh là là, cette croyance-là, n'importe quoi. Déjà Dieu, moi, depuis un moment, je doute, je ne suis plus musulman. Allez, hop. Ensuite, à midi, il a dit, oh là là, non, 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 je reviens à l'islam. Non, sa journée, son jeûne n'est plus valable et il doit une expiation, il doit 60 jours. D'accord. On rigole pas avec ça. Alors, donc on a dit celui qui a mangé volontairement ou il y a eu des rapports volontairement pendant le mois de Ramadan sans raison valable, il doit pour chaque jour faire nourrir 60 pauvres ou bien jeûner 60 jours ou bien affranchir un esclave. Par contre, pour celui qui a cassé son jeûne pour une raison valable, maladie, voyage, etc., etc., celui-là, juste, il rattrape la journée. On est bien d'accord. En termes d'argent, ça veut dire nourrir 60 pauvres, ça revient à 5 euros par pauvre ou... Non, il prépare des repas. Il prépare un couscous, ça lui fait moins cher. L'essentiel, que ces gens-là mangent deux fois par jour, un déjeuner, un dîner. D'accord. S'il veut donner de l'argent, ça sera l'équivalent de 5 euros par personne et par jour. S'il veut les donner, il calcule. Oui. Quel est le statut de celui qui est tellement riche qu'il dit, bon ben, je vais rater mon jour et puis je vais payer, c'est pas grave. C'est quoi la vie juridique par rapport à ça? Alors, cette question a été posée en Andalousie. Il y avait un calife. Il y avait un calife très riche. Très riche, il a dit, bof, moi, de toute façon, je suis riche. Je mange tous les jours et il a de l'argent. Donc, il y avait un grand savant de l'époque qui lui a dit, en ce qui te concerne, l'expiation... De nourrir n'est plus valable pour toi. Ce qui est valable pour toi, c'est jeûner. Ça, c'est le fait toi qui a été fait à l'époque
pour que les gens ne rigolent pas. C'est-à-dire, parce que je suis riche, d'accord. Les gens, ils doivent. C'est-à-dire, c'est, il n'a pas le droit de. D'accord. Pour qu'ils sentent. Donc, il n'a pas le droit. Par contre, s'il est riche et que ça lui est arrivé qu'il a fait ça, c'est pas, il ne l'a pas fait dans l'intention parce qu'il est riche. Il l'a fait parce qu'il est monsieur tout le monde et ensuite il s'est dit, ben écoute, moi je vais payer. Hein. Il a le droit, il paye. D'accord. Par contre, celui qui a fait une mauvaise interprétation, croyons que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une fièvre forte, tous les jours à midi, il a cette fièvre. Ou là, il s'évanouit. Ou là, Gdagda, il a dit, moi, de toute façon, j'aurai ma fièvre comme tous les jours. Il a mangé. Normalement, il n'a pas le droit de manger. Il mangera une fois qu'il aura sa fièvre. Mais lui, il a cru que, de toutes les façons, il aura sa fièvre. Il a cru que il s'est autorisé. Il a mangé. Ensuite, il n'a pas eu sa fièvre. Celui-là, est-ce qu'il doit 60 jours, machin? Non. Il a juste fait une mauvaise interprétation, il doit rattraper. Donc, ceux qui n'ont pas, ils ont fait des mauvaises interprétations. Par exemple, quelqu'un qui a une femme dont elle sait que, de toutes les façons, tous les jours, telle date, elle aura ses règles, etc. Elle dit, de toute façon, moi, j'aurai mes règles. Elle a mangé. Mais ensuite, la journée, elle n'a pas eu ses règles. Donc, elle a fait une mauvaise interprétation. Elle n'avait pas l'intention de casser le mois sacré. Donc, cette personne aussi, c'est-à-dire, elle doit juste rattraper. Ah. Quelqu'un qui a cru... Le cas de quelqu'un qui a mangé, hein, il croit qu'il va partir en voyage. Moi, j'ai vu des gens, hein, j'ai vu dans l'aéroport, je les voyais, je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Et le pire, c'est que je vois que leur avion n'est pas parti. Ils sont restés, ils reviennent avec leur valise. Je dis, ouais, vous revenez là, hein, c'est quoi? Ils ont dit, l'avion n'est pas... Et alors, vous n'êtes pas parti, pourquoi vous avez mangé? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça, il a fait une mauvaise interprétation. On ne va pas lui dire, tu dois 60 jours... Donc, il doit juste rattraper. D'accord? Non. Donc, voilà, je pense qu'on a touché... Oui. Chaque jeûne expiation, c'est 60 jours? Si on a mangé volontairement ou a eu des rapports, etc., etc. 60 jours pour une journée, plus une journée de rattrapage, ça fait 61. Il faut que ça soit continu. Les 60 jours, il faut que ça soit continu. Ce n'est pas deux jours aujourd'hui, trois jours après. Non, 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 continue. Et si j'ai jeûné, on va dire, un mois, direct, ensuite, par négligence, moi, je dis, bah, j'en ai marre, moi, c'est trop ça, machin. Je n'ai pas jeûné une journée, je dois reprendre de zéro. Sauf s'il est, pendant les 60 jours, il tombe malade. Ou là, il est voyageur, quelque chose comme ça. Ça, c'est, il peut additionner. Mais s'il n'a pas d'alibi, même s'il est dans les 58, ensuite il a lâché, il revient de zéro. Hein? C'était la question de la femme. Ouais. Non, la femme, c'est la même chose. Elle a un alibi. La femme indisposée, elle a un alibi. Elle additionne une fois qu'elle est propre. Et jurer, par exemple, avec un mensonge, le jeûne d'expiation, c'est 60 jours? Non, 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 non. Non, non. Là, il doit jeûner trois jours. Trois jours. Ou bien donner la nourriture à 10 pauvres. 10 pauvres. Ou bien les habiller. Un habillement, veste et... D'accord. 10 pauvres. Ou bien leur donner à manger pour 10 pauvres. Ou bien jeûner 3 jours. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour.
Donc celui qui n'a pas jeûné Ramadan n'est pas négligent jusqu'à ce que l'autre Ramadan est venu. Donc non seulement il doit rattraper, et pour chaque journée, il doit faire nourrir un pauvre. Déjeuner et dîner. Ou bien donner 5 euros par pauvre et par jour. Voilà, on a fait tout le tour. Alors, les choses qui n'annulent pas le jeûne, quelqu'un qui a rêvé, il a fait un rêve, qu'il a eu un rapport, etc. Ensuite, il y a eu liquide qui est sorti, sperme ou quelque chose comme ça. Son jeûne, il est valable. Quelqu'un qui a vomi involontairement et rien n'est revenu, son jeûne est valable. Quelqu'un qui a eu le hijama, il a enlevé des sons, il a fait une piqûre, son jeûne est valable. Dans les suppositoires aussi, ça n'annule pas le jeûne. Les pommades, etc., tout ce que vous voulez, ça n'annule pas le jeûne. Le khol, les liquides dans les yeux, dans les oreilles, machin, etc., ça n'annule pas le jeûne. Si rien n'est arrivé, on n'a rien senti dans la gorge, si on a senti quelque chose dans la gorge et que le liquide on l'a utilisé avant le fajr, ça n'annule pas. Mais si c'est des choses qu'on a utilisées après le sobh, juste on rattrape. Des questions pour le jeûne, parce qu'il est terminé. Oui. Mais c'est pour la prière. En fait, est-ce que la prière de l'Isha, on peut l'avancer ou pas? Quoi, je me l'ai alaqa ma'a somma, sahbi. On est dans le somma, ça. Qu'est-ce qu'elle a l'Isha? Tarawih. Non, la prière obligatoire. Pourquoi l'avancer? On peut l'avancer ou pas? Pourquoi? Pour dormir plus tôt. Pourquoi avancer l'Isha? Je n'ai pas compris. Quel est le rapport de l'Isha avec somme? Non, c'est juste par rapport à la prière, c'est pas par rapport au somme, c'est par rapport à la sabbat. Alors, si c'est une prière qui a... C'est-à-dire, elle est un peu tard. Alors, si c'est une prière qui est l'Aïcha, si elle est tard... Est-ce que c'est mieux de la faire à l'heure ou bien... Bien sûr, c'est pas c'est mieux, c'est obligatoire de le faire à l'heure. Donc, si exceptionnellement, on peut... c'est-à-dire la rapprocher un peu à juste à, on va dire, une demi-heure après le maghrib, à condition que c'est tard, c'est très tard. L'Isha, elle devient par exemple 23h30, quelque chose comme ça, 23h, et que la personne, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle va se réveiller à sobh. C'est pas, il va dormir jusqu'à 10h. Tu m'as compris? C'est-à-dire, parce que pourquoi on recule un peu l'Isha? Parce que le temps, entre l'Isha et sobh, il se rétrécit. D'accord. Là, on peut, juste, on a pris le maghrib, une demi-heure, 20 minutes, on prie, mais à condition. Une fois qu'on a pris l'Isha, il ne va pas voir un film. Il va dormir. Il a mangé, ensuite il va manger des cacahuètes avec ses amis, ouais, tu sais, machin. Non, va prier, tu ne dors pas. On parle de celui qui, après l'Isha, il est allé dormir. Et dans l'intention de se réveiller à sobh. Celui-là, c'est exceptionnellement le Haut Conseil de la Fatwa et beaucoup de ulama, ils ont dit oui, c'est autorisé. D'accord? À condition que l'Isha, il est tard. Ah, l'Isha, il est à 21h, il dit moi, je suis fatigué. Non, tu es fatigué, c'est pas. L'Isha, il est tard. D'accord? Est-ce que tu me comprends? D'autres questions? Pour non. La femme qui n'a pas jeûné le Ramadan, c'est-à-dire, pour le Shawwal, elle peut mettre la double intention. Pourquoi elle n'a pas jeûné Ramadan? Disons qu'elle a un alibi, maladie ou haïd, etc. Oui. Donc, est-ce que la double intention, elle peut la mettre dans les autres, c'est-à-dire pour le jour de Arafat, pour lundi, mardi, lundi, jeudi, est-ce qu'elle peut mettre une double intention? La double intention, elle est valable. C'est pas tous les ulama qui sont d'accord, hein. Mais je suis d'accord avec les ulama qui sont d'accord, qui sont nombreux. La double intention, elle est valable. Du moment que la double intention, elle relaie l'obligatoire au surrogatoire. Elle ne relaie pas deux obligations. Ces deux obligations, non, les obligations restent obligatoires. Mais puisqu'il y a une pratique surrogatoire, on veut la profiter en même temps. Par exemple, je dois rattraper et je profite que ce soit le lundi. D'accord? Bien, le jour Arafa ou la Ashura. Donc, j'ai le ajr du Siyam, l'obligation, mais il faut que l'intention soit en premier l'obligation. Et l'autre, surrogatoire,
mais je n'ai pas la même récompense de celui qui a jeûné deux fois. Et l'obligation à notre jour et le surrogatoire à notre jour. C'est lui qui a plus de mérite. D'autres questions? Oui. Dans les pays du Nord, où il fait nuit 6 mois et en été, pareil, 6 mois, il fait nuit. Comment ça se passe en fait? Il faut jeûner 6 mois, mon frère. Ah, je rigole. Je rigole. Je vais vous répondre. Alors, dans les pays nordiques, c'est vrai, il n'y a pas de question de 6 mois. Hein. Même Suède, un peu, les pays un peu, on va dire, Danemark, etc. Bon, je parlais avec des amis, entre l'Isha et Sopé. Des fois, ils ont 2 heures. 1h30, 2 heures. C'est insupportable. Alors, tu ne peux pas jeûner 22 heures. Tu ne peux pas jeûner 21 heures. D'accord? Donc, les ulamas, ils ont dit, dans ces cas-là, où, même en Écosse, hein, j'ai vu des fois, même en Écosse, c'est-à-dire, des fois, ils doivent jeûner, ils doivent suivre, ils ne suivent pas le calendrier, ni l'heure de iftar et de maghrib, là où ils sont, mais du pays le plus proche, qui rentre dans l'ordre du normal un petit peu. Par exemple, pour les Écossais, c'est-à-dire ils doivent le faire avec l'Angleterre, avec Londres, etc. Les pays nordiques aussi doivent voir le pays le plus proche qui est un petit peu dans l'ordre jusqu'à 18 heures. C'est faisable. Parce que nous, par exemple, on gêne combien d'heures? Je ne sais même pas. 18 heures à peu près. 18 heures, 19 heures, c'est acceptable. Ensuite, tu as 6 heures, ça va. 6 heures de... Mais si ça devient 1h30, 2h, 3h, c'est trop peu. C'est trop peu, ça devient insupportable. Donc ils doivent, même les heures de prière, tu as posé la question de... C'est vrai que dans le pôle nord, le pôle sud, des fois c'est 6 mois... Donc le calendrier de prière change. C'est d'accord? Le calendrier de prière change. C'est-à-dire, on a vu des cas où ils voient le coucher du soleil. Ils voient le coucher du soleil. Un quart d'heure après, ils voient le lever du soleil. Donc, ils le voient tu vois. Donc, leur heure de prière n'est pas... Ils doivent voir le pays le plus proche. Le pays le plus proche. D'accord? Le cas de... On a un Français qui vient de... Il était en orbite. Imagine un musulman, il est en orbite maintenant. Comment il va jeûner l'heure de prière? D'accord? Donc, il y a des questions qui ont été posées sur ces questions-là. Donc, il y avait un musulman hein, saoudien qui est parti quand même. Il était en orbite. Donc, on doit le calculer, et il doit calculer selon là où il est, par rapport à, c'est-à-dire au pays musulman le plus proche. Donc, il suit le lever du soleil, le calendrier du pays le musulman le plus proche. Même temps. D'autres questions? Oui. Pour le vieux, celui-là qui a une maladie chronique, qui doit payer la fête d'hiver, il a payé à quel moment? Avant Ramadan ou pendant? Non, après Ramadan. Après Ramadan. Oui, il faut que tu aies Ramadan terme. D'autres questions? Assalamu alaikum wa rahmatullah.